May the Lord bless you. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de Seigneur Jésus Christ. Prions. Let's pray. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Heavenly Father, the Creator of heaven and earth. Nous voici ensemble ces and behold, we gather this afternoon and this night autour de ta parole, around your word pour communier avec so that we can fellowship with you avec ton and esprit. Fellowship with your spirit. Sois au milieu de and nous now et being en our midst and in us, comme tu as promis as you promised unchangeably, que le monde ne te verra that pas, the world will not see mais you, nous te verrons, but Seigneur. We shall see you, Lord. Tu seras avec you nous, will be with us, et tu seras même and you will even be in us, bénis Lord. Ce moment que and nous I'll bless this moment that we dedicate to you. Nous du début now lead us from the beginning to the le end. Reste pour ta the rest shall be for your glory. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures. Let's read the Holy Scriptures. Je suis dans Ephésiens chapitre 1. Ephesians chapter 1. Les cinq premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles qui sont en Jésus-Christ. Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont en Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Et béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with spiritual blessing in heavenly places in Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. According to him, he has chosen us before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasures of his will. Verset 6. Pour célébrer la gloire, de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. To the praise of the glory of his grace, whereas he has made us accepted in the beloved. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. In whom we have the redemption through his blood and the forgiveness of our sins according to the riches of his grace. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. May God bless the reading of his word. Veuillez vous mettre. You may be seated. Et avant que nous lisons la première citation, now, before we read the first quotation, je voudrais que ce soit la dernière citation qu'on a lu dimanche. I want that to be the last quotation that we read on Sunday. Je voudrais vous faire remarquer and I would like you to notice que Ephésiens chapitre 1, Ephesians chapter 1, le thème dans ma Bible, c'est le corps in my Bible, de Christ. It's the body of Christ. Le corps de Christ, the body of Christ, ou l'Église en majuscule, or the church, capital C. Et le sujet de cela, est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Je parle le thème de ce, cette épître. And I said the theme of this epistle. C'est l'Église corps de Christ ou l'épouse. It's the church body of Christ or the bride. Mais le sujet, but the subject, c'est la position du croyant dans la grâce. It's the believer's position in grace. Les croyants, a believer a sa position en Christ, has his position in Christ dans le lieu céleste. In the heavenly places. Quelle est la position du véritable what is croyant the positioning of the true believer dans la grâce? In the grace. Le croyant véritable, a true believer, sa place est en Christ. His place is in Christ. Sa position est his en position Christ. Is in Christ. Et cette position and en Christ, this position in Christ c'est appelé ici it's being called here, des lieux céleste. The heavenly places. Oh, c'est le début. That's just the beginning. Je sais qu'on cherche d'abord que l'esprit joigne. And we're trying that the spirit to join. Allons ensemble. And now let's go together. Le thème de cette épître. The theme of this epistle. Ça parle de l'Église épouse. It talks about the bride church. Et c'est pour bien rafraîchir. Just to refresh l'Église en majuscule. The church with the capital C. Qu'on appelle épouse. That we call the bride.
Cette église, this church, c'est le corps de Christ. It's the body of Christ. Faites attention. Now pay attention. Le corps de Christ. The body of Christ. Et j'aimerais mettre Christ dans le symbole que vous pouvez vous représenter. Mais le sujet principal du début, the main principle, the subject of this, dans ce thème, in this theme, c'est la position. It's the believer's position. La place ou la position, the place or the position of a believer, du vrai croyant, of a true believer, en Christ. In Christ. Et vous allez voir, and you will see, Christ, the Christ, c'est la pierre de fait. The Christ is the headstone. Et ce lieu, cette position, and cette this place place en or Christ, this position in ce n'est Christ, que pour le véritable it's only croyant. For a true believer. Et on appelle ça, and we call this, par l'épître, by the epistle, les lieux, the place, ou les places, the place or the position, célestes, the heavenly places. Très clair. Very clear. Mais avant que nous puissions continuer. But before we continue. Qui est ce vrai croyant? Who is this true believer? Et comment comprendre cette and position? And how can you understand this position? Les lieux célestes, the heavenly places, sont la position du vrai the croyant. These are the positions of a true believer. Et comprenez que and now understand il that s'agit de la véritable about église the true church or the bride church. Et j'aimerais insister. And I would like to insist. Il s'agit de quelle église épouse? It's about what bride church? Le corps de Christ, the body of la Christ, pierre de fait. Which is the headstone. Ensemble. Are we together? Il s'agit de l'église. It's about the church. Épouse. The bride church. Corps de Christ. The body of Christ. Mais pourquoi j'insiste but là-dessus? Why do I insist on that? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mystère. Do not understand c'est this mystery. Mystère. This that it's a mystery. Laissez que je termine d'abord. But now let me finish first. Là où nous avions lu là. Where we read. Je suis au verset 8 et 9. And I'm on verse 8 and 9. Écoutez comment Paul parle ce langage. And I'll see what language. Il dit que Dieu a répandu abondamment la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Le premier point que je voudrais que vous... La richesse de la grâce. Ce problème dont nous parlons est connecté à la richesse de sa grâce. Richesse. The riches. De sa grâce. Of his grace. Et il dit, and he says, dans ce problème, dans ce corps, dans cette problem, position, in this position, il manifeste la richesse de sa grâce. The riches of his grace. Quelle grâce? La grâce what de grace, Dieu. The grace of God, qu'il a répandu which cette he has grâce. Poured out, il l'a répandu abondamment, avec abondance. In abundance. La richesse, the riches, c'est l'abondance. It's in abundance. La pauvreté, poverty, ce n'est pas la richesse. It's not a rich, the mais riches, c'est une disette. And it's just a desert. Et remarquez, and I noticed, quand on a la richesse, that when we have the riches, on a la providence we have en the abondance. Being provided in mais abundance. Quand on est pauvre, but now when on we're n'a poor, pas l'abondance. We do not have the abundance. L'abondance de cette now grâce, the abundance of this la richesse de cette the riches grâce, of this Paul grace, dit, Dieu l'a répandu abondamment. Abundantly. C'est une richesse. It's a riches. C'est aussi appelé. And it's also called. Une provision. A provision. Je sais pourquoi je vais comme ça. I know why I'm going this way. Quand ces termes commenceront à venir dans la lecture. And now when this theme starts il l'a répondu abondamment. He poured out abundantly. Cette richesse de la grâce. This riches of his grace. Je répète. And I repeat. Je commence maintenant au verset 6. Let me start from 6. Pour célébrer la gloire the de sa grâce, grace of his grace, dont il nous a favorisé, where he has made a dans le bien-aimé, in the beloved, et en lui, and in whom, nous avons la rédemption we par son sang, blood, le pardon des péchés, the forgiveness of our sins, selon la richesse de sa grâce. According to the riches of his grace.
Que Dieu répandit abondamment and sur there nous. He has poured abundantly toward us. Par toutes sortes de sagesse. In all wisdom. Et d'intelligence. And prudence. Il nous a fait connaître. In having made known le mystère de sa volonté. The mystery of his will. Selon le bienveillant dessein. According to the good pleasure. Qu'il avait formé which dans lui-même. He has purpose in himself. Dieu en lui-même. And now God in himself. Il avait un bienveillant dessein. Good pleasure. Et remarquez ce bienveillant de ce qu'il avait formé en lui-même. Il devait le mettre en exécution lorsque les temps furent accomplis. Il va réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux, toutes les choses réunies en Christ, les choses célestes et les choses terrestres seront unies ensemble dans le mystère de Christ. Et il dit, and he says, et en lui, and in whom, nous aussi, we also, devenus héritiers. We also obtain inheritance. C'est en lui. And now it's in him, nous devenons maintenant des that héritiers. We are becoming heirs, ayant été prédestinés and being predestinated, selon le plan according to de the celui qui opère toutes choses who works all things, d'après le conseil de sa volonté. The of his own good will. Avant d'aller très loin dans cet épître, vous comprendrez que l'épouse dont je parle that the bride that I'm talking about dont cet thème parle, that c'est l'épouse du temps this de la is the last day's bride. Quand toutes les choses célestes and when all heavenly things and earthly things réunies, will be gathered together, unies, will be united dans une union, in a union of en unity, Christ, le but in Christ the beloved one, au temps de la fin, it's at the end time quand le temps when the time seront accomplis, will be fulfilled. Je mets un time. Ce n'est pas l'épouse des âges it's de l'Église. The bride of the church ages. Les âges de l'Église, the church ages. Ce n'est pas le temps de la it's fin. Not the end time. Les temps ne furent pas accomplis dans les âges the time de l'Église. Was not fulfilled in le the mystère church ages. Dont nous parlons ici, de Christ, Christ, qui est le mystère the mystery de Dieu. Of God. Quel mystère de what Dieu mystery le of God, mystère que Dieu the avait formé that en God lui-même formed in himself avant la fondation du monde, avant que world, la terre soit créée comme created, une planète planet, dans notre système in solaire, our solar system, avant que l'univers même vienne en existence, even came into il y avait un plan, that was a plan, il y avait un dessein que Dieu a formé à l'intérieur de lui-même. Et ce plan-là, il devait l'exécuter. Was supposed to execute that at the end time. Cette épouse and now this bride du temps de la fin, of the end time qui est le corps who de is Christ, the body of Christ comment être dans how cette position, to be in this position il faut être un vrai you croyant. Must be a true believer. Et un vrai croyant, and a true believer c'est un élu it's an elect d'avant la fondation before the foundation of the world. It's the same attribute that was in the infinite thought of avant God before the foundation of the world. It's a thought qui était dans which Elohim was in Elohim, avant que le monde before ne soit the créé, world was created, cet attribut-là, and now this attribute, voilà le vrai and croyant. I see the true believer. Je pense que ça commence à finir petit. And I think it's now coming slowly. Ici, ça ne concerne pas les âges de l'Église. It doesn't concern the church ages. Ça concerne le that temps de la fin. The time of the quand end, les temps furent accomplis. When the end time was fulfilled. Et j'aimerais maintenant que tu and comprennes. And I would like you to understand le mystère de Christ that the mystery of Christ et les liens célestes and of the heavenly ont places été accomplis they were all fulfilled dans deux temps d'accomplissement. In two time of fulfillment. Le premier temps, the first time c'était of dans un corps appelé was Jésus. In the body called et Jesus. Le deuxième temps, and the second c'est dans time, un corps appelé it's in the body called the bride. Voilà and I'll see le deux temps de la fin the two où end les time temps furent accomplis. Where the time was fulfilled. Et qu'est-ce que ce temps but ici? What is this time? Est-ce que c'est l'horloge? Is it just the regular clock? C'est la chronologie? Or is it the chronology? C'est une dimension? Or is it a dimension? Ou qu'est-ce que ce temps-là what is this time qui doit s'accomplir? Which must be fulfilled. Paul est en train de parler and de ce Paul mystère. And Paul is talking about that. Il y a deux temps qui furent accomplis. There are two different times that were le fulfilled. Le premier temps the first one fut accompli was fulfilled dans les cornes de la Vierge Marie. In the body born of the Virgin Mary. Et le second temps and the second time, au temps de la fin at the end c'est time, dans un corps appelé the body called the bride. Et c'est ça le thème and dont that nous parlons. Is the theme that we're le talking about. Du temps de la the bride of the end time pour la position for the positioning in Christ qui sont les lieux célestes which is the heavenly pas places des lieux terrestres. Not earthly places.
Et laissez-moi te dire, ma'am. And now let me tell you also. Il y a des lieux célestes. That there are heavenly places. Il y a aussi des lieux qui ne sont pas célestes. And there are also places that are not heavenly. Et le contraire du ciel. And now the contrary of heaven. C'est l'enfer. It's hell. Je te donne un petit exemple. And I'll give you a little example. Quand les puissances de la magie. When the magic powers. Et de la sorcellerie. And of that of witchcraft. Je vais petit à petit maintenant. And I'm going slowly now. Sont dans une dimension élevée de leur monde. When they are in a lifted dimension of their world. C'est leur lieu. Aussi. That is their rappelez-vous higher Balaam. Place also. Now remember quand Balak l'a pris pour when Balak Israël, took him to curse la Bible Israel, dit qu'il l'a fait monter dans le lieu élevé de Baal. The higher places of Baal. Mais ici, ce sont des but lieux now here is the heavenly le places. Plus, les dimensions the le plus dimension, de the Dieu. Highest dimension of God. Et Frère Branham les appelle and Brother Branham calls them les profondeurs et les mystères the de the Dieu. Of God. Ici, c'est la dimension la plus élevée du côté du ciel. Highest dimension on the side of heaven. C'est là où cette épouse de dernier jour est amenée. Et laissez-moi dire un mot. Now, c'est let ça me qu'on say appelle word. Les royaumes and de Dieu. What we call the kingdom of God today. C'est être dans cette it's position, to be in this position que tu es dans le and royaume that you de are Dieu. In the kingdom of c'est God, la place la that plus it's élevée, the highest place, la dimension la the plus most élevée highest dimension du côté de Dieu. On the side of et heaven. Comment comprendre and ce how mystère? Can you understand this mystery? Voilà le problème. Now see the problem. Avant que je clôture. And now before I close. Laissez-moi maintenant changer ce croquis. Now let me change this. Commençons en Eden. Let's start from Eden. Nous quittons Eden. We now move from Eden. Nous allons nous retrouver. And we shall find ourselves. Aux âges des Juifs. To the Jewish ages. Le temps des Juifs. The time of the Jews. Et ce temps des Juifs. In this time of the Jews. Termine avec Christ. Ends with Christ. Qui est venu dans le corps appelé who Jésus. Who came in the body called Jesus. Là, on est ensemble maintenant. They are together. Et ce corps était né virginellement. And this body was born virginally. A servi de temple and ou tabernacle, as a temple or a tabernacle. Pour cette pierre de for fête. This headstone. Et trois ans et demi. And now 3.5 years later. On l'a rejeté he was rejected and crucified ça, and covered. Ça, c'est un côté. This is one side. Et c'était le temps de la fin ici. That was the end time for them. Accompli dans un corps né fulfilled in a body born virginally, Jesus. Mais du côté où je parle de but ce sujet. But on the side that I'm nous commençons avec la Pentecôte. And now we're starting with Pentecost. Et nous n'allons pas avoir les âges des Juifs. And we're not going to have the church ages. Nous allons traverser les âges des we're gentils. We're going to cross the Gentiles ages. Et ces âges des gentils in aussi Gentile également ages also, terminent avec la pierre de fête. With the headstone. Et cette pierre de fête, and this headstone, c'est le mystère de Christ. It's the mystery of Christ. Et souvenez-vous, la position en Christ, la pierre de fête, c'est un mystère des élus ou les attributs d'avant la fondation du monde dans les lieux célestes. À la fin des âges des gentils, qui sont les âges de l'Église, les temps vont aussi s'accomplir. Cette fois-ci, la now, pierre de fête, pas dans le corps, né par la Vierge Marie, bo- mais dans le corps Mary, appelé l'épouse. Si tu vois, c'est voilà le chemin this, qu'il this faut bien comprendre. Les temps furent accomplis quand la pierre de fête est venue dans un corps né virginellement, appelé Jésus, called Jesus, et j'ai abordé ça depuis la semaine passée. Ça week, accomplissait une promesse majeure de the la rédemption. Promise of la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et à ce point-là, now, ça nous point, prouve même that proves que to notre us vie humaine human venait de la sémence du serpent. From the serpent. Mais quand seed, Jésus a été introduit, c'était was la born, sémence de la was femme, the seed of a le woman, corps né de la sémence that was born by the et word l'a reçu and then she received la plénitude de and la divinité the qui of the était Christ. Et which comment on appelle Christ, aussi Christ? And how do we call Christ? Le Messie. The Messiah. Le Prince Messie. The Prince Messiah. Voilà le royaume de and Dieu. Et à la fin des âges des gentils, nous aurons la même scène. C'est ce mystère-là de la fin des temps, dans la position en Christ, mais cette fois-ci, dans le corps épouse. The body of the bride. Que Ephésiens parle. That Ephesians talk about. Je pense que ce n'est l'introduction. And I think it's just si the introduction. Niveau, si je, tu auras des difficultés de me suivre. If you do not understand at this level, you have difficulty. Attendre encore 5 minutes. Répétez encore ça et voir s'il y a une question. Qu'est-ce que le thème de... Mais qu'est-ce que je voudrais maintenant dire dans ces 5 minutes? What would I like to say in this remarquez meeting? And I notice le problème du mystère de Christ the problem of the mystery of Christ s'est attaché
avant la fondation is connected du monde, to the before the foundation of the world, Elohim, the attributes of avant Elohim, que le monde soit créé, before the world was created, avant que la terre, planète, before the planet Earth dans son orbite and autour came in du its soleil, orbit around the sun, il y avait déjà there were already un dessin, un plan, a destiny or a counsel that was already Dieu. Said in God. Maintenant, je vais vous tester deux but choses. Now I would like to test you on two things. À ce niveau, and at this level, on a la richesse de la grâce. We have the riches of his grace. Connecté à ces problèmes. Connected to this problem. Et remarquez aussi. But now notice also. À ce niveau, that at this level, le mystère en lui. That the mystery in him. N'est ni vu. Is neither seen. Ni entendu. Or heard. Ça n'a ni la vision, le domaine de vision. Not the realm ni of the le vision, domaine de la prophétie. Nor the vision, c'est un mystère. C'est un silence. C'est en Dieu. C'est dans sa pensée infinie. Et cela est connecté à la grâce. Et pour que vous compreniez bien, depuis dimanche, la provision de la the grâce of grace, c'est une facette it's a face du même coin of the same coin, appelé les grands and God, attributs the great attribute love of God. L'attribut de l'amour now, de attribute Dieu of the love of a God, deux facettes. God's attribute l'autre has two facette, faces. On one side, c'est la grâce. It's the grace. L'autre facette, on the other side, c'est la miséricorde. It's the mercy. La facette but de now grâce, the face of the grace, quelque chose que vous obtenez something that you're obtaining sans l'avoir mérité being deserving, était décidé and that was decided, dans un dessin in a council before you even came in the body of flesh. It was before the foundation of the world that the face of grace pour la tribu for amour, the attribute love pour la tribu or the attribute de Dieu, savior of God est venu directement and came directly c'est ici, and now it's here la facette, the face du même coin of the same coin called attribut the amour. Great attribute love. Et si on peut mettre ça, and now if we can put that attribut, grand attribut, attribute qu'on appelle the attribute that we call l'amour love. A deux facettes. Has two faces. Et la première facette, and the first face, c'est la richesse de la grâce. The riches of his grace. Il nous reste sa facette appelée now the second la richesse face de is la called miséricorde. The riches of his mercy. On va y entrer après. And we're going to go into that later. Je suis au niveau de la première facette the level of the first de l'attribut. And the attribute, le grand attribut, the great attribute, appelé amour, and called love, c'est aussi appelé it's also called attribut sauveur, attribute of a savior attribute. C'est toujours le même grand attribut. It's still the same great sa attribute. Sa facette grâce, and now this face comment of grace, cela commence, and how that started, en Dieu, in God, avant la fondation du monde, before the foundation of the world. Une question ici. Any question here? Je voudrais passer maintenant. Autre chose. I would like to go to something else. Je pense que ça se comprend bien. I think it's well understood. Voilà le thème dont tous les now questions. Now see the theme in question. Dans Ephésiens, in Ephesians, chapitre 1, chapter 1, verset 1, verse 1, on peut aller jusqu'à 10. We can go up to 10. Laissez-moi lire le verset 10. Now let me read verse 10. Avant de changer le temps. Before changing the time. Il dit ceci. And now he says this on 10. Au verset 10. Verse 10. C'est pour mettre en exécution that in the dispensation lorsque les temps furent of the fullness of time de réunir toutes choses that en he might gather together all things celles in qui Christ, sont dans les cieux both which are in heaven, et celles qui sont and sur those la terre. Which are on earth. Vous pouvez continuer so now you can continue jusqu'au verset 14, up to verse 14 mais je m'arrête d'abord ici but I would like to stop here à l'introduction at the introduction au verset 10. On verse 10. Le temps fut accompli. Now the time was fulfilled. Dans la position en Christ. In the position in et Christ. Le temps s'accomplit aussi. And now the time is also dans la position en Christ. In the position of Christ. On est là? Are we there? Une question? Any question? Dans ma Bible? In my Bible. On peut me mettre Christ, Jésus-Christ le même hier de 55. The message Jesus Christ. C'est là où on a terminé dimanche, qu'on évolue à partir de là. Pendant qu'on cherche ça, dans ma Bible, il y a un commentaire. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il dit, les lieux célestes, littéralement, on les appelle les célestes.
Est-ce que vous êtes là? Les lieux célestes, the heavenly place, d'une manière littérale, in a literary way, on les appelle aussi and it's also called les célestes. The heavenlies. Et de même que le grec traduit cela, and the same word used in by the Greeks, dans Jean chapitre 3, in John chapter 3, verset 12, verse 12, des choses heavenly things. Est-ce qu'on peut lire ça? And how can we read that? On passe à autre chose. He said we pass to something Je suis else. Maintenant dans Jean chapitre 3. John, les lieux célestes, now the heavenly place, on les appelle aussi des célestes. It's also called the heavenly. C'est comme l'expression grecque traduit Jean chapitre 3. 12. That translates on les appelle aussi des choses célestes. It's Il va réunir au dernier la fin les choses célestes et les choses terrestres seront unies en Christ. Mais quelles sont les choses célestes? On les appelle les célestes. On les appelle les lieux célestes. Il y a aussi des lieux terrestres. Des lieux terrestres. Now, earthly places, what is et it? Des lieux célestes. And what are the heavenly places? J'avance un peu. And I'll move a little bit. Il est and now he says, ce qu'on appelle des choses célestes. What we call the heavenly things. Littéralement, here, on les appelle aussi des they célestes. They are also called heaven. Ils sont dans les célestes. They are in the heavens. Et remarquez, but now notice, il y a ce deux cas, dans ces deux cas, they are two in this camp. Le mot se rapporte à ce qui est céleste. The word goes back to our word. Pour qu'il se distingue de ce qui est terrestre. From what is earthly. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Et dans Ephésiens, and in Ephesians, les lieux, Ephesians, the place, peut induire en erreur. Might lead into an si tu comprends mistake, les mots liés là, if you go with tu the peux être induit en erreur. You might be led in a mistake. Parce que because les célestes ici, the heavenly here, représentent un domaine. Represents a realm. C'est le domaine de l'expérience spirituelle du véritable chrétien, of a true believer, mais qui est identifié avec Christ. C'est une dimension, it's a dimension, c'est un domaine céleste, it's a heavenly realm, d'une expérience surnaturelle ou spirituelle, qu'un vrai chrétien identifié à Christ, Christ et dans sa nature de Christ. The nature of Christ. Jean chapitre 3, verset 10. John chapter 3, verse 12. Est-ce que je peux faire ceci? C'est bien qu'on aille petit à petit parfois. Mais allez vite, tu vois. On réduit un peu l'onction. We'll try to reduce the pour être sûr que les gens comprennent. And to be sure that people understand. Jean chapitre 3. John chapter 3. On m'a dit. Au verset 12. And if I've told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you of the heavenly things? Bon. Quand je vous parle des choses terrestres. When I talk to you of the earthly things. Vous êtes incapable de les croire. You are unable to believe them. Mais qu'en est-il si je vous parlais des choses célestes? But how about if I talk to you to the about the heavenly things? Nous avons des lieux. And now we have places. Célestes. And the heavenly places. Ce sont les choses. These are things. Célestes. These are heavenly things. Et ça se distingue. And it's different. Des lieux. From. Terrestres. Earthly places. Ce sont les choses which are also things terrestres. Which are earthly. Mettons quand même un point ici. But now let's put a point here before we move forward. Les lieux célestes, the heavenly places, sont dans les célestes. These are in the heavenly. Et on les appelle parfois. And sometimes they are called les choses célestes. Are heavenly things. Et ça se distingue des choses terrestres. That is different from the earthly things. Allons tout droit au but. Now let's go directly to the topic. Ce qu'on appelle des lieux ici. What we call places here. On appelle des lieux. We call places here. On appelle parfois des choses. And sometimes they are called things. Sont des corps. These are bodies. Les choses célestes, the heavenly things, ce sont nos corps célestes. These are heavenly bodies. Mais les choses terrestres, the earthly things, ce sont nos corps terrestres. These are earthly bodies. Or, nos corps and yet terrestres, earthly bodies,
nous ont été donnés comme un lieu, as a place, comme une place, or a dwelling place, dans lequel in which les esprits viennent vivre comes to dwell pour la manifestation. For the manifestation. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Les choses terrestres, the earthly things, ça se réfère à nos corps terrestres. In reference to our earthly bodies, ce sont des places dans lesquelles les esprits viennent demeurer pour manifester ces esprits qui sont entrés dedans. Ils viennent d'où? Quelles sont leurs origines? Origin? Où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent manifester ces domaines invisibles dans le visible. In the visible. Et quand le corps quitte, termine sa mission sur la terre, le corps c'est un lieu, le corps c'est une place. The is just a place. La position de l'esprit now, dans ton corps terrestre, c'est pour manifester just to manifest où est-ce que l'esprit qui est entré dans ton corps matériel est venu. Si ça venait de Dieu, if it was coming from God, ton parcours sur la terre, journey, les œuvres que tu accompliras, tant que tu seras dans ce corps-là, manifesteront manifest les côtés de Dieu. God, ça servira à ce côté-là. Si l'esprit qui est entré dans ton corps à la maternité venait du monde de Satan, tu y as un lieu, appelé le corps, c'est pour manifester où ta voix. To show exactly what you want in your life, just before à manifester to manifest d'où est l'origine, what is the origin, et la provenance, and where you're coming from, de l'esprit qui habite, and the origin of the spirit living in the body. Si l'esprit n'habite pas ton corps, if the spirit doesn't live in the body, you is not going to live. Tu allais être un corps mort-né. To be a dead and sick. L'esprit qui anime ton corps venait de quelque part. Who's coming from somewhere? Sorte du monde de Dieu. Sorte from the world of God. Sorte du monde de Satan. Or that of Satan. Et le corps t'a été donné. C'est un nom qui t'est donné pour que tu manifestes. So that you manifest who you are and why you came from. And at the end of the journey of the body, which has a beginning and which has a end, and that's why we also call at the time and the little time, it's your body, in which that your spirit, which is not limited in time, and came in the given cosmos and came to live in time, and so that you manifest where he was coming from. À la fin de ce now, corps, at the end of this body, qui est physique, which is physical, naturel, naturally, même né dans le péché, born in sin, quand ça arrive à la fin, l'esprit qui est entré en toi, quittera ton bâtiment là, quittera le lieu, pour rentrer où, to go back where, to go back where the spirit came from. On vient de quelque part, we come from somewhere, et on rentre d'où on and we go back exactly where we came from. Mais le corps physique, but the physical body, n'a servi que de temple. Only served what as a temple. Le corps terrestre, now the earthly n'a body, servi que de lieu terrestre, as an earthly body, sur la terre, here on earth, pour manifester, to manifest, que le monde, what l'esprit qui est en toi, the spirit that is in you came from. Mais toi en réalité, but you in reality, tu n'es pas ton corps, you are not just the body. Toi en réalité, in reality, tu es l'esprit. You are the spirit and the soul that is dwelling in your body. Et ça vient de quelque part. And what it's coming les from. Choses terrestres. These mysteries of the heavenly things. But now notice. Pour les attributs. For the attributes. Qui étaient avant la which fondation were before the foundation of the world. Avec Jésus. With Jesus. Jésus est l'un de ces Jesus attributs. Is one of those attributes. C'est pour cela. And that's why. Nous bénissons Dieu le we Père. Bless God de notre Father, Seigneur. Hein, Jésus. Lord Jesus parce que Jésus aussi. Because c'est Jesus l'un de ces attributs. It's one of the attributes. C'est notre frère attribut. It's our brother attribute. C'est pour cela. And that's why. L'épouse n'adore pas le corps that the bride doesn't worship the body of the Virgin Mary. On commence à me regarder. Now you start looking at me. Nous n'adorons pas le corps. Nous. We do not worship the flesh. Même celui de la Vierge even Marie. Even that of the Virgin c'est notre Mary. Frère. That is just our brother. C'est l'un de nos attributs. One of our attributes. Des corps qu'on a pris the bodies that were taken, et dans lesquels on a vécu avant que le monde cosmos et la terre planète ne vienne à l'existence, on a vécu dans certains corps, dans ces domaines-là, d'avant la fondation du monde, on a des choses ou des corps célestes.
C'est pour cela. And that's why, quand on est dans l'théophanie, when we're in the theophanies, je mets l'théophanie. And let me put theophanies. Quand on est dans l'théophanie, when we're in the theophanies, et les logos, and the logos, ça s'appelle, this is called, les expressions. The expressions. Mais, but, quand on est dans la chair, when we're in the flesh, dans le corps de chair, in the body of flesh, à ce moment ici, now at this time, on appelle en anglais flesh, in English flesh, ici ce ne sont plus les expressions, these are not expressions anymore, ça ce sont les manifestations. Les choses terrestres qui sont des corps, the things which are the body, servent des manifestations. And serve as a manifestation. Mais les théophanies, but the theophany, et les logos, and the logos, nous sommes dans le monde des expressions. We're in the world of expressions. Faites la différence à ces deux. Make a difference between the two. Maintenant, remarquez bien. But now notice well. La Bible dit que the la nature tout entière attend les manifestations des fils de Dieu. Of the on ne dit pas les expressions des fils de Dieu. C'est quand it's when les esprits de Dieu qui étaient en Dieu, les attributs qui étaient en Dieu, viennent prendre des corps physiques sur la terre pour une manifestation. Dans des corps de chair, in the body of flesh, ce sont des places de manifestation. Ce sont des lieux de manifestation. Ça se distingue this is different des choses célestes from heavenly things, et ils sont connectés aux théophanies et aux logos, and to the logos pour les expressions. For the expressions. Voilà and I'll see la conclusion de the mon conclusion of my introduction. Je vais tenter deux citations ici. And I'll try two quotations here. La première, the first one, je prends le message. I'll take the message. Je m'écarte ça. Je prends le message. I take the message. Ça, c'est là où nous serons arrivés dimanche. This is where we'll reach on Sunday. Elle dit ceci. And now he says le verset 12, 13. And 12 and 13 paragraphs. Nous avons eu des années maintenant. In our part years now. Où il n'y avait pas grand chose qui était accompli. When there hasn't been done much. Il n'y avait rien de grand qui there était accompli. Nothing much that was done. On est là. Are we there? Je ne sais pas. I don't know. Jusqu'à présent. Until now. Votre esprit est encore trop bas. I feel like your spirit is still very low than where I want you to reach. Travaillons encore peut-être les 5 minutes qui viennent. Maybe work in the next 5 minutes to see if you can climb the mountain. Hein? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain. 1955. Nous en avons deux. And we got two of them. Nous avons eu des années. And we had years. Donc rien de grand n'était accompli. There hasn't been too much done. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Et il continue de dire. And he continues and say, mais je crois réellement. I truly believe que nous sommes en train d'entrer dans un grand temps que le monde n'a jamais vu. Le monde est cosmos. La Terre, c'est une planète. Le monde, c'est le cosmos. Le monde est connecté à l'univers. Mais la Terre est connectée au système solaire. Et Branham a dit, nous avons eu des années. Et il se réfère à quoi? Quelles sont ces années-là? Ce sont des âges. Des anciens of the elders, ou de l'Ancien Testament, the on va voir cela. We shall see mais écoutez ce que je dis. To on a eu des temps, time, des années, time, où grand chose n'était pas compris. Mais nous sommes en train d'entrer dans un grand temps time, que ce monde n'a jamais vu. Et je crois certainement que ce temps est en train de venir. Et ce temps est proche maintenant. Que Dieu va se manifester lui-même.
Amen. Le grand Dieu. Il y a un grand temps qui doit arriver où le grand Dieu va se manifester lui-même. Or, se manifester, c'est dans un corps de chair. Amen. Nous avons eu des années où grand chose n'était pas accomplie à notre terre. Le grand attribut Dieu n'a jamais été manifesté dans un corps né de femme. Depuis, on n'a jamais vu la plénitude de Dieu, la pyramide parfaite, les trois attributs de Dieu s'accomplir dans une manifestation, mais encore né dans le péché depuis Adam. Même le corps d'Adam, qui n'était pas né par la femme dans le péché, était tombé dans le péché et n'a jamais manifesté la divinité. Le seul corps qu'on a vu avoir un grand temps compris, c'était le corps né par la Vierge Marie. C'était un corps né virginalement. Ce n'était pas le corps né dans le péché. Mais tous les corps humains qui sont des liens de manifestation, on n'a jamais vu un temps dans lequel Dieu se manifeste lui-même dans un corps de terre. Mais qui était né par la femme, plus encore dans le péché. Et Branham a dit, ce temps-là est proche maintenant, où nous allons avoir un grand temps, Dieu lui-même va se manifester. Or, la manifestation, c'est dans un corps de chair. Oh, mon nom. C'est ici le mystère. Nous avons eu depuis Eden et la chute de Dieu. Nous avons traversé les années et les âges de l'Ancien Testament. C'était une dispensation de Juifs. Et cette dispensation fut accomplie, fut terminée par un grand temps. La grande manifestation dans un corps appelé Jésus. Mais maintenant, Branham nous dit, au-delà du calvaire, que nous avons traversé les années, donc grand chose n'était pas accompli. Et nous arrivons à un temps où Dieu lui-même va se manifester. Et la manifestation présente un corps de chair. Mais qui est ce corps de chair dans lequel un grand temps va s'accomplir? Appelons seulement, c'est le corps d'époux. Amen. Oh, mort, ce temps était à la porte. That time was at hand. En 1955. In 1955. Oh, en 1955. In 1955. On était en train d'attendre quelque chose. For something. Branham était déjà en train d'œuvrer avec le premier pôle, la guérison divine. Et Dieu voulait introduire les dons de discernement messianique dans la vie du prophète. Les mêmes ministères qu'on avait vu dans les corps virginement. Je entrer dans un corps, ne pas une femme dans le corps. Quel grand mystère! Amen, amen. Comment cet homme, né dans le péché, mais son âme, soul, je vais te dire un problème, like to tell you de tous les thèmes qu'on parle of all the theme that we're talking et des about, sujets que j'expliquais, subject that moi je parlerai à un point et retenez bien mon point là, point, le don that the gift du changement de cœur. Of the changing of heart. C'est ce qui m'importe. That's what it's mais qu'est-ce qui était en Branham? Why was in Branham? Dans l'âge de l'époux des derniers jours, que le corps Branham était né dans le péché. Né dans le péché. Born in sin. Le corps Jésus était né sans péché. Mais celui de Branham, né dans le péché. Mais quand il venait entrer dans le christianisme, son âme, son cœur, c'est capable de s'interférer et connecter la racine mystère. Il y a un mystère qui n'a jamais existé depuis les années. Un homme n'est pas la femme avec une nature sauvage. On le coupe de l'olivier sauvage, on le connecte dans le christianisme. Son cœur et son âme sont changés à tel point que le même ministère qui était dans l'homme né virginalement se réincarne à nouveau dans un homme qui était né dans le péché. Voilà un mystère que plusieurs passent.
partir de là. Il y a un changement de cœur. Amen, amen. Et un changement d'âme, comme tout un paradoxe. Like any, paradox. Et quand ça s'accomplit, when that is fulfilled, Dieu pardonne les Juifs. God forgives the Jews. Qui l'avait crucifié au Calvaire. Who crucified him on Calvary. Amen, amen. Vraiment. Frère. Brother, Romains 11 dit, Romans 11 says, de le premier âge de Christ, n'ignorez pas ces mystères. His mysteries. Ce grand temps, you know, this great time, était à la porte. Was at the door. Mais quand votre prophète, and I see your prophet, il dit, and I was saying, Dieu va se manifester lui-même. Lui-même. Écoutez, and I listen, d'une manière grande, the greatest, qu'il n'a jamais fait ça dans tous les âges. Amen, amen. Amen. Pas une petite manière, mais d'une manière si grande que cela n'a jamais accompli dans toutes les années passées, dans tous les âges, que ce soit de l'Ancien, que ce soit du Nouveau Testament, on n'a jamais vu ça. Un seul corps dans lequel on a vu ça, c'était le corps né virginement. Mais tous les âges, toutes les années, des humains, nés dans des choses terrestres, nés dans le péché, aucun corps humain, né dans le péché, n'a jamais reçu la manifestation de Dieu. Faites attention, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Je ne parle même pas du Saint-Esprit. Je parle de Dieu qui se manifeste lui-même. D'une manière si grande qu'il ne l'a jamais fait dans tous les âges. Ce grand temps est à la porte et ça veut venir. Quelle sera la place de cette manifestation? Voilà un secret que plusieurs n'ont des tabernacles pas inaperçu. Oh man. Et quand ça va se passer, ça sera quoi? La fin du temps. Ça accomplit le temps. Le temps fut accompli quand la grandeur de la divinité suprême est venue dans un corps humain. Mais ce corps humain était né originellement. Mais un autre temps de la fin vient, c'est quand cette grandeur de Dieu lui-même manifestée prendra un autre corps dans l'épouse. Ça termine le temps. Amen, amen. Et remarquez, and I noticed, c'est là que je vous ai montré, and that's what I showed, nous quittons dans l'Éden, on traverse les âges de Jésus. Les humains, dans des choses terrestres, mais des femmes dans les péchés, on n'a jamais vu ça. Mais les temps furent accomplis quand la pyramide parfaite. Pourquoi nous dessinons la pyramide? C'est l'accomplissement des trois grands attributs de Dieu. La tribu Père, la tribu Fils et la tribu Saint-Esprit qui composent la plénitude de la divinité sont venus dans un corps pour une manifestation. La deuxième fois que cela va s'opérer, c'est dans l'âge de l'épouse. Mais qui en sera la place? Amen, amen. Pour cette manifestation. For this manifestation. Voilà ce que la citation nous a parlé. Ça, c'est en 55. Avant que je continue la lecture, j'aimerais poser la question à Branham. Quand est-ce que ces grands temps a été manifesté? Devons-nous attendre ou cela est déjà accompli? Moi, j'ai dit au Branham, c'est de l'histoire. Amen. Amen. T'attends que vous vous l'emportez. Amen. Tous les trois attributs and all the three attributes of God ont été manifestés. They were all manifest. Et les Branham se me posent la question. Sous votre esprit, tu me poses la question. Pasteur, quand est-ce que cela s'est passé? Est-ce que vous ne voyez pas? Said, don't you see? Quand les corps nés virginement est venu sur la terre came here on earth, pour contenir la pyramide, pyramid à trois faces, faces attribut Père, attribut Fils et attribut Saint-Esprit, that of the Holy Spirit, une étoile one star a été formée was formed dans des firmes. In the family, dans les constellations, in the constellations trois orbites orbit, de trois étoiles c'est venu aussi pour annoncer cela parce que cela va appeler les gens de la table des nations venant de trois enfants des Cam, des Jephthé et aussi l'autre là.
Et quand mon prophète, when my prophet, son corps est venu au monde, came to the world, des sorciers and witches, qui connaissent les anges, ont dit, les trois orbites aussi finir. Parce que c'est le seul corps pouvait venir pour la manifestation de la pyramide. Amen. Ça ne se passera pas. C'est déjà accompli dans un corps dont les orbites des étoiles avaient annoncé. Même les sorciers. Amen. Et ce que Dieu va faire dans les derniers jours finira la rédemption pour toutes les trois races qui sont sorties de Noé dans toutes les tables de nations. Amen. Voilà mon corps. And I see my body. Voilà ma place. I see my place. Voilà mon lieu terrestre. My earthly place. Là où la pyramide devait venir. Was to come. Maintenant, comme tu ne comprends now, pas, je vais t'ajouter la compréhension. Toutes les choses terrestres ont été des corps there et des places de manifestation qui ont été faites des mains d'hommes. Ton ancêtre a donné un attribut et un gène à ton père. Ton père a donné aussi un gène à ton corps fabriqué des mains d'hommes. Mais quand la pyramide qui vient au ciel, Daniel dit, ô roi, tu as vu une pierre qui s'est détachée, pas sur la terre, mais dans les dimensions célestes, sans les secours d'aucune mère. Amen. Amen. La Amen. Participation de l'humanité Amen. Et de sa biologie, non. Biology. Ça vient pour une naissance et remplir la terre. Yeah. Regardez ce qu'est conduit là. Comment la terre devait être remplie dans Genèse 1, verset 23, c'est l'homme créé qui devait se multiplier pour remplir la terre. Mais quand cette pierre de fête vient, Daniel dit, elle a détruit la statue de la terre, earth, la statue du royaume de la terre, et ça a rempli la terre. Et la pierre venait de d'où? Elle venait d'un lieu céleste, sans le secours d'aucune main. N'avoir qu'un an. Baba qu'un an. Un an qui s'incule, il n'y a pas d'oubli. Mais c'est le domaine céleste. C'est dans les lieux célestes que cette pierre doit venir, mais elle vient pour une manifestation. Et c'est comme ça que les naissances de la théophanie et sa multiplication rempliront maintenant, c'est dans l'union invisible. C'est là où dimanche, Sunday, Dieu a changé tout ce que j'avais pour parler du mystère de cette nouvelle naissance et des corps qu'on reçoit maintenant qui ne viennent pas de la maternité humaine ni de la biologie humaine. C'est une pierre qui s'est détachée des liens célestes mais sans les secours d'aucune main. Amen. Mais elle vient, c'est pour terminer le temps et commencer une autre multiplication de la race qui va remplir la terre. La première race pécheresse est venue par la biologie humaine du livre et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une biologie humaine pour un corps poussière de la terre qui un jour retournera la poussière de la terre. Mais quand cette pierre vient, elle introduit une autre race qui ne peut pas être poussière, qui retourne à la poussière de la terre, c'est pour des corps éternels. C'est pour cela que la dimension a été connectée aux choses salaces. Et c'est là que je voulais que tu comprennes. Maintenant, je vous transporte sur nous. Vous allez comprendre pourquoi nous commençons. Daniel chapitre 2. Et nous sommes en train d'évoluer. Voilà la pierre qui vient pour un royaume de Dieu, mais sans le secours d'aucun. Ça ne vient pas de la terre.
ça vient d'ailleurs, dans notre dimension, et ça vient détruire le royaume de la terre et les empires des humains pour introduire un autre royaume qui ne sera jamais ébranlé. Atabana kuloka ji, abata kuweza, kuloka bata kuloka, mais kuweza bata kuweza, parce que tu es un véritable croyant dans la position des dimensions des dimensions célestes. C'est une expérience qu'un véritable chrétien a dans les domaines spirituels qu'on ne peut jamais embrasser. On ne vous trompe pas. Nous arrivons à un point où je dois révolter toute votre foi de croire comme dimanche qu'on peut même à la minute aller en enfer. Nous y sortirons à l'aise. Il n'y a aucun ennemi qui aura la victoire cette année. Mais au contraire, vous verrez l'introduction de cette année. Ce sont les ennemis qui auront un seul cheval. Cela est à la porte. On était à la porte. Mais pour nous aujourd'hui, Dieu fait que cette face vienne à nous et par nous. Que les gens réalisent. Je pense que maintenant, je sens que les 5 minutes ont élevé un peu l'esprit à commencer à comprendre the ending of the time. Le temps sera terminé comment? C'est quand les corps célestes, parmi les corps célestes, on verra les grands dons. Le grand Dieu s'est manifesté lui-même. Or, la manifestation, c'est dans un corps physique charnel. Charnel, attention, pour plus de précision, mais par la femme. La femme. Pas virginellement. Et quand nous voyons ça, ce que le plan de rédemption est accompli. Parce que l'homme était tombé, mais là la rédemption est venue, on l'a retourné dans une position où le grand Dieu peut habiter un homme. Fini la rédemption. Parce que ça fournit le produit cherché. Oh, c'est une grande richesse que Dieu est en train de répandre parmi nous. Il dit, c'est la richesse de la grâce qui le fera. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Si tu es connecté au grand attribut d'amour, la richesse de la grâce répandue parmi nous fera cette chose. Amen. Amen. Laissez-moi terminer ici. Now let me finish here. Le prophète dit, now the prophet says, ceci c'est le temps. That this is the time. Cela terminera le that temps. Will end the time. Ceci va terminer le temps. This will finish the time. Jusqu'à terminer à until le temps. The time c'est, que, c'est comme nous étions en train d'aller like du bas. From the bottom, nous arrivons au sommet du temps et on est terminé. Après ça. And after that, c'est pour cela. And that's why, qu'est-ce que nous croyons? Why do we believe? Nous croyons les septième sceaux. Le message du temps de la fin. Oui. Qu'est-ce que le message du temps de la fin? Qu'il y ait le septième sceau. Et quel est son pôle? C'est le troisième pôle. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend le grand esprit de Dieu, ça l'incarne dans les corps pour la manifestation. Nous allons terminer. It's the ending cap of the time. Et vous êtes? Et le temps ne sera plus. And the time will be no more. Un de ces jours. Days, nous sommes où? C'est Apocalypse chapitre 10. Il dit, je vois un ange puissant descendant du ciel. Voilà la pierre. Pas sur la terre. Elle vient du domaine céleste. Elle descend. L'ange puissant. Enveloppé. D'une nuée. Et quand on descend, il dit, il a l'arc-en-ciel à sa tête. Quelle tête? La terre, la pierre de fête. Et quand il descend comme ça, il dit, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Pourquoi les sept tonnerres ne sont connectés à la déflagration? Kunguba. Ou à Koujoul. Les confondants à Koujoul. Amen. Je parle de fire and lightning. Ok? There's a blast. And in that blast, we have the fire and the lightning.
Mais qu'est-ce que ça fait? Ça vient goubadou tout à monte. When the lightning strikes a person, it's killing what's inside of the person. On vous a parlé de la grande déflagration, mais on ne vous a pas expliqué. C'est ce qui vient tuer le premier mari. L'esprit qui était entré dans la maternité sera tué dans cette grande déflagration. On a dit à Arabia. Voilà le mystère. And I see the mystery qu'on passe inaperçu. That we bypass. Mais faites attention. Now pay attention. William Branham dit. William Branham says que ce temps était à la porte. That this time is at mais les Branhamistes continuent à faire but les églises. Ils attendent encore and que ce temps là vienne. Et pour eux, them, même Kamala, even Kamala, c'est la sixième vision. Ils attendent la septième vision. Ils ne sont comme ceux du monde. Like ils ne comprennent pas que pour le monde épouse, world, ça c'est différent. Ça, ce sont this les sept visions des événements qui vont marquer le siècle physique sur la terre. Le développement de la science, la technologie, l'état et la morale des femmes, ça n'a rien à faire au lieu céleste en Christ. La vision et la prophétie qui concernent le domaine de l'épouse n'est pas dans ces sept visions-là. Ça se trouve où? Dans Daniel chapitre 9. Il y a une vision et une prophétie qui était scellée jusqu'où? Jusqu'au temps de la fin. Voilà ce qui concerne l'épouse. Ce n'est ni la sixième vision, ce n'est ni la septième. Comment les gens sont confondus comme ça? Je vois comment ma banane me regarde. Parce que je ne suis pas en train de me faire. Hapana wewe uende kuingia mwa hii discussion uende uhubiri royaume. Or le royaume qui nous dit d'avenir vous prêcher, c'est la venue du royaume, la pierre de fait qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Le reste des visions concerne la finalité de la statue de nation, j'ai dit. Ça n'a rien à faire à l'épouse. L'épouse est concernée dans la vision et la prophétie qui était scellée, connectée dans l'esprit but des 70 semaines de Daniel. C'est là où nous verrons notre élément du temps de la fin. Daniel. Seule la vision et la prophétie jusqu'au temps de la fin. Et quelle est la 16e chose? Parce que vision et prophétie scellées, c'était la 5e chose ou le 5e but. Mais quel sera le 3e? Le 6e but, ça sera l'onction du Saint des Saints. Mais qu'est-ce que cette onction-là? Mais c'est Christ lui-même qui est le Messie, qui est la grande onction. Voilà comment comprendre le plan de rédemption. Maman, je regarde à toi maintenant. Les sept visions que Branham a vues en 33 n'ont rien à faire à l'épouse du temps de la fin. Ça a à faire aux événements qui vont marquer les siècles sur la terre. Oh,
Mais l'événement qui concerne l'épouse n'est pas dans cette vision-là. Pour que nous nous passions le temps comme ceux qui se perdent, des ignorants. Ignorant. Ils ne connaissent ni la prophétie, do not even know the prophecy, ni la vision, and the vision qui concerne l'épouse that concerns et son the bride, royaume. And the kingdom. Ils viennent embrouiller les gens et les églises and the dans des choses qui concernent la terre. Et les systèmes de terre. And this world systems. C'est là que vous verrez des badènes, des kamalas. Ça, c'est le système de la terre, comme la statue de Nebuchadnezzar. Mais l'épouse est concernée dans la pierre qui vient sans le secours d'aucune main. Voilà son royaume. That's the kingdom. Elle doit être préparée à and cela. Et on doit l'enseigner ce royaume. Voilà la différence entre les petits esprits et les esprits supérieurs. Superior et je vais t'informer. And I'd like to inform you. Pour connaître ça, so that you can know that, on doit tirer attention à quelque we need chose. To draw attention to something. Il fallait quelqu'un and dans le royaume, someone in the kingdom, comme Daniel, just like Daniel, pour interpréter. And so that he can interpret. C'est pour cela, and that's why la seule personne that the only person dans le royaume comme Daniel qui devait interpréter, c'est William Branham. Ce n'est pas ton pasteur. Your pastor. Amen. C'est pour cela vos pasteurs. And that's why your pastors, avec leurs petits esprits inférieurs, les gens des âges des églises, ils vous embrouillent. Just confusing you. Il y avait un Daniel, Daniel au temps de la fin time, qui nous a interprété ça. Interpreted that to us. Et cela nous suffit. And that was enough for us. La fin des tabernacles the end of the tabernacle est annoncée. It's announced. Ils sont aussi pesés. They are also been weighed. Pesés. Weighed. L'esprit éternel and les a trouvés aussi légers. Légers. Où sont-ils? And where are they? C'est terminé. It's over. Ils sont dans le cheval pâle. Oh, et qui ont le courage, and who have the courage de prêcher ça? To preach that. Voilà là où nous nous sommes. And I'll see where we are. C'est là où tu ne me verras pas. And that's why you'll never see me. Être ensemble avec ce qui se passe. Be together with what is happening. Je suis sûr maintenant and I'm very sure que les esprits s'ouvrent. That the spirits are opening up. Et surtout ce dernier point and ici. More especially this la last vision, that the vision et la prophétie and the de l'épouse n'est pas dans les sept visions de 1933. La vision, the vision et la prophétie du temps de la fin était l'un des six buts de la visite de Gabriel à Daniel. Seule cette vision et sa prophétie jusqu'au temps de la fin. Voilà ce qui concerne l'épouse. Mais les sept visions de grande importance en 1933 concernaient les siècles, les royaumes et les systèmes de la terre. Et ce qui va marquer la terre à sa fin, au temps de la fin. Ça ne concerne pas l'épouse. Ça n'a rien à faire à la rédemption de l'épouse. Étonnez-vous comme je le sens. Mais vous découvrez que c'est ça la vérité du message. Et c'est pour cela ici, here, nous ne viendrons pas pour commencer à parler des petites histoires, des petits esprits politiques. Nous ne perdons pas le temps. Parce que les politiciens, les magiciens, les sorciers, les chaldéens forment un bloc aujourd'hui. Les chevals parlent. Nous, nous serons des compagnons de Daniel William Branham et son peuple. Nous viendrons nous pour le mystère de comment on est attaché à l'olivier front et notre âme et notre corps ont été changés comme un paradigme pour recevoir le Messie. Voilà les sons certains pour le reste de ces sons-là et les églises et la politique et l'économie. Toutes ces choses-là, ça concerne des petits esprits inférieurs. Perdons pas notre temps dans ça. Nous,
Nous sommes concernés. We've been concerned. Écoutez. Now listen. Maintenant, je voulais bien changer le ton. I would like to change the tone. Est-ce que tu réalises? Do you realize? Que quand tu es assis là, that when you're sitting there, tu me regardes. And looking at me, as-tu déjà compris pourquoi Dieu t'a donné le corps physique dans la famille où tu étais né là et dans la location où tu étais né là? Tu comprends le pourquoi? Toi, si tu es de l'épouse, ton corps physique t'a été donné pour servir de place, pour manifester la tribu de la grâce. Donc, je suis sur cette terre. Quelqu'un peut sentir la tribu qui était avant la fondation du monde a eu un corps assis sur une chaise, c'est moi. Je sens comment la tribu à moi est assis sur une chaise. La tribu Dieu a eu son corps physique et je le manifeste au temps de la fin. Voilà un secret que beaucoup ne réalisent pas parce qu'ils n'ont pas cette semence. Ton corps là. Tu dis, pasteur, dans ce que je suis ici, je vais t'amener à un point qui est compliqué. Quand frère Branham l'a dit, il a dit, pardonnez-moi cette expression. Il dit, j'aimerais être tout ce que Dieu veut que je sois, les biens comme les mal. Si ce que je suis ici, même si c'est un mal, mais je sais que c'est ça la volonté de Dieu, je veux l'être. And I would like to be that. And the other one would see bad. And those are the real things that being seen as evil. And I'm fulfilling in manifesting what is the will of God. And that's where Paul and the other say that I am what I am by the grace. Mais oui, c'est se plaindre. Now you just complaining. Well, just something bad happened. Ce sont des plaintes. Now mm-hmm. Complain. Si tu comprends que ce qui vient là, ce sont des tours autour du voyage de ta vie, tu ne te plaindras pas. You will not complain about ce qui paraît mal là, si c'est la volonté de Dieu, il dit c'est tout un mystère. Il nous révèle les mystères de sa volonté. En tout cas, comment tu as une question? Allons-y. Brother Brown said the world would keep on just like that. On guess I could have told him, Mama, I can't sit and let you pack a bit. The writing is already on the wall of time. Bon, ajouter bien Dieu peut-être que le monde bien là. Kama iki kintu kina fanyika. Roya Mungu. Inaondoka mu ile mambo ya ile ma system inaenda ndani ya bibi harusi. C'est ce déplacement là que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça bana bakebe na fanya bibi. Ni abapoke yaka okovu. Ndu esprit yenye kuna fanya bokovu. Yesha kuondoka pa dunia. Yesha kuondoka pa dunia inaenda ndani ya bibi harusi. Au ndani ya bibi harusi c'est dans une position en Christ. C'est ça l'enlèvement de l'épouse. Ah. C'est comme ça. Ils attendent la rencontre dans les airs. Et pourtant, l'enlèvement de l'épouse a déjà eu lieu. Parce que c'est un enlèvement mystère. Écoutez encore. C'est un départ soudain. Et secret. And secret. C'est que Koukouba le Kangoun du Moui vit. Those who know about that secret. Arrivé à la Odyssée, reaching in Odyssey, le Saint-Esprit est venu dans le corps de the mon prophète the body of the Holy avec Spirit le premier Paul et le second Paul. And the second les pentecôtistes l'ont rejeté comme him, les Juifs like avaient Jews, rejeté Jésus quand Jesus, le signe du Messie était vu dans le corps de la Vierge Marie. The Virgin et Virgin le Saint-Esprit Mary, est allé en dehors des arts de l'Église en train de toquer. Les gens n'ont pas encore compris les déplacements, that the displacement, l'enlèvement the rapture de l'esprit. Of the spirit. C'est un secret. It's a secret.
C'est pour cela and that's why le septième sceau, c'est un silence that the seven seals et les sept tonnerres, c'est un mystère. And the seven thunders are the mystery. Pour encore vous troubler davantage, vous qui ne croyez pas bien le message, et ça n'a jamais été révélé au public. Mais c'est révélé à qui? It's revealed to who? Ça ne sera jamais révélé au public. Quand vous voyez Pasteur John venir, nous irons au ciel, comme nous croyons que les tonnerres sont révélés. Commencez du pasteur, tu nous séduis. Parce que la révélation des tonnerres ne sera jamais une révélation publique, ni une doctrine universelle. C'est là que nous avons des groupes de branhamistes de révélés et des groupes de branhamistes de non révélés. Qu'est-ce qui est non révélé et qu'est-ce qui est révélé et comment? Banayisema, bote ba wili banenda mu boulot je bouchi. À la fois de thé, oui. Yangu kazi. Now my work. Mungu ekona nituma nayo. God is sending me. Igusa Josué. It's like Joshua. Josué. Joshua. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'était un ange destructeur. Destruction. Destroyer. Nous. But us. Nous sommes venus dans les terrains. We came in the field. À la fin des temps. At the end of time. Pour détruire. Destroy. Tous ceux qui rejettent la tribu grâce. Il ne reste rien pour eux. C'est les jugements. Et nous nous achèvons ça. Nous ne bloquons pas. We're not playing. Nous nous sommes des anges destructeurs. We are angel destroyers. De Josué. Of Joshua. Amen. Parce que notre problème. Because our problem. Même si il faut que tirer. Kubundumba kungu. Even if we need to take you off from prostitution, you're a rare. And we discover that you have to see. We're going to take you off from by force. Your prostitution. And I'll follow where we are. And go in the promised land. And even when you leave the nation, you'll be on the side of David. Unakatala, and you refuse that. And we burn you. Kasi yetu shi. And when you work, before esprit, is to burn before the before spirit Saan, and before the qui ne veulent pas which do not prendre grâce comme grâce. Grace as grace. Alors que le papier paper, du silence est déjà signé pour être pardonné. Toi, tu refuses de travailler dans la guerre de sécession. Nous allons tuer ces gens d'esprit kind of et des âmes. And of the souls. C'est ça mon travail. That's my work. Ne jouez pas avec moi. Do not play with me. Chikala kamuntu. I'm not a person. Just like the way you think of me. Un destructeur. I'm a destroyer. C'est pour cela. And that's why. Quiconque vient avec le combat. Whoever comes with the battle. Et la rentre lui-même dans la bouche. And he goes himself and get burned. Mais comment tu vas combattre? Mais si nous tournons la patigane, amutuju wa gie. Burn. Tu dis bana bangfundanga. We are the children of the lining. Tu joues après un temps. And you play for a second tout time. Est bien. And everything tant seems que tu good. Tout and while we're still laughing. Les jours tout funga the day we're going to change our face. You're going to feel out the fire and the lightning strike. Na, aita chakua place. And it's not going to say like where. And you find you in the field you're taking. You find you on your bed it's going to take you. In whatever place it's going to find you. Homicides. These are just the fire that is coming. Le temps n'est plus au jeu. The time is not at hand. Nous venons avec la bande and we come with the tub pour te dire que le message du temps de la fin ou le message de l'air, c'est la tribu Christ. La parole vivante doit unir ton âme, c'est ça appliquer les signes. C'est la vie littérale de Christ. Tu refuses, on te détruit. We destroy you. C'est ça Josué. That's Joshua. Un ange destructeur. Angel of destruction.
Et pour clôturer la carte de Josué, and now to finish the game of Joshua, dans la carte de Josué, in Joshua's game, nous ne blaguons pas. We do not play. Tout ce qui est devant nous est and suspect. All what is before us is a suspect. Il le regarde. And now he looks. Dieu lui-même est venu God himself dans came sa théophanie. In his theophany. Il est dans la, au mur là. And there by the wall, Josué le regarde. And Joshua looked at him. Avant tout. Before anything. Il décale l'épée. He took off his sword. Alors il le regarde. And then he looked at l'Éternel. Him. And the Lord. Dieu m'en vérité. Tell me the truth. Tu es de notre. Are you on our side? Ou bien tu es des ennemis? On the side of the enemy. Et heureusement, and luckily, il a répondu. He answered. Au temps de guerre, at the time of war, tout est suspect. All is suspect. Suspicious. Il regarde Josué. And he looked at Joshua. Je suis le capitaine said, I'm the captain des attributs de l'éternité. Of the of il dit, j'ai changé said, de la colonne de from feu the of fire, à la nuée, and to the clouds, à un homme. But now I've changed into a man. Oh! Maintenant, Josué lui dit, now, oh, ce que tu es de notre là, de ceux qui se cachent aussi à moi, tu es toujours de notre, mais métamorphosis. Et laissez-moi t'informer. And let me tell you, quand Josué a découvert ça, c'était dans les secrets. C'est secret, Branham qui nous dit, le Messie là, c'est aussi métamorphosé et est en train Josué. Et le capitaine de l'armée céleste était Josué, le général. Depuis lors, Israël est devenu l'armée céleste sur la terre. Amen. Josué, Joshua, le grand the great, guerrier, and the great warrior. Comment il a changé change de la colonne de feu à la nuée, de la nuée à un homme. Moi, vous le canonou. Comment il va mon écouter tout le monde tomber. Le Josué est devenu ce capitaine-là incarné. Incarnated. Et tous les groupes autour de lui, il y a armés, tous les 50, et jouer avec un seul peuple. C'est pour cela, une fois qu'il tourne comme ça, sans toucher la miraille, ça tombe court. Ce ne sont pas les célestes, ce sont des surnaturels incarnés. C'est toute une armée. Vous savez qui a osé, ça se passe là. Amen. Voilà la phase actuelle. And I see the current phrase. Et nous y sommes. Aujourd'hui, nous déclarons cette guerre. Amen. Nous la déclarons de Amen. Amen. Le ciel témoin, la terre témoin, les esprits témoin et les humains témoin. Je ne dois pas nous laisser sans ce témoignage. Amen, amen, amen. Oh man, amen. Il y a des mystères they are mystery, qui sont profonds, which are so deep, mais que les humains ne comprennent. That humans do not understand. Branham a dit, and Branham says, ceci, this, c'est la fin du temps. It's the ending of time. J'aime parler pour bien exprimer ça. And I would like to c'est la fin finale du temps. It's the final ending of time. Because it's the ending up. On parlera du ending up à un moment donné. About the ending up at the same time. J'ai vu des traducteurs de tabernacle. And also the translators in the tabernacle. Ils traduisent the ending up. They translate the ending up. Finir la course. Is non, non, c'est pas ça. Laissez nous tromper. Like nous nous connaissons bien l'anglais. But we know English. Ending up. Ending up. Ce n'est pas terminer la course. It's not finishing the race. Nous y parviendrons pas. And we'll read to that later. Et Branham continue. And Branham continues. Le temps ne sera plus. The time will be quand les sept tonnerres furent entendus de retentir leur voix. And when the seven thunders heard their voices. Le temps n'est plus. The time l'ange was no puissant more. Qui est descendu. The mighty angel et le chien me dit. And he said, "There shall be no more time." Voilà le mystère the de la pierre of the stone qui descend that de notre domaine, from the other mais sans les secours de Dieu. Without the help of any human hand. Pourquoi? C'est pour une manifestation. For the manifestation. Dit, ça va terminer le temps, même de ces jours. Maintenant, écoutez. Nous sommes venus de l'éternité. We came out of eternity. Wow. Voilà le problème. I see the problem. On a une éternité. We have an eternity. C'est un cercle complet. It's a complete circle.
Et dedans, and inside of it, oh, c'est une éternité. It's eternity. Et dans cette éternité, eternity, on était des attributs. We were attributes. Et dans l'esprit Elohim. And in the Elohim spirit. Mais regarde ce qui se passe. Nous avons brisé. We had to break out. Couper une partie de ce cercle. And cut out of this circle. Et cette partie du cercle. This space of the circle. Qui se détache. Which came out. Du cercle. Of the circle. Lorsque le cercle est complet et imparfait. Incomplete and imperfect. Non complet. And not complete. Et cette partie. And this space. Nous l'appelons par le prophète. C'est un loup. It's a loop. Et quel autre nom? What's the other name? Hein? On l'appelle aussi Gab. Il y a un autre nom. There's another word. Tu peux prononcer ça? Je vais. Why? H-I? I don't think so. En le suivant. Si. Je ne sais pas ça. C'est cette partie ici. It's this part coupée du cercle complet. Cut out of the complete cycle. Qu'on appelle loop. That we call a loop. On l'appelle aussi Gab. And we also gotta call it a Gab. Moi, je pense que c'est comme ça. Mais vous devez chercher. C'est comme ça? C'est comment? OK. Ça va? Maintenant, tu es contente. Hein? C'est ça que tu cherchais? Il y a trois grands termes. There are three words or names que Branham utilise. That Branham uses. Cette partie du cercle, this place of the cycle, qui this est coupée, of the was taken off, il l'appelle loop. And he called it a loop. Je pense nos jeunes gens and I think our youths, et de tout petits and the very little ones, cette semaine this week, vont commencer une étude particulière là-dessus en sciences et technologie. Je ne sais pas si on va commencer demain, si tout va bien, ou dimanche. Branham l'appelle aussi Gab. Et regardez la terminaison, c'est une clé. But now see the ending, it's a key. Mais but, c'est ça, c'est loop ici. But it's this loop, qui yeah, dans la science, that in science, ça s'appelle it's called time and space. The time and the space. L'espace et le temps sont connectés, sont combinés. Et nous y rentrerons après. C'est ce loop ici qu'on appelle temps et l'espace. Et cela a été loupé le long des âges, le long des temps, des générations, jusqu'à la fin. À la fin, end, nous terminons ça et that, nous retournons la partie du cercle circle, à sa porte de l'éternité pour que tout so that, oh, retourne à l'éternité authentique. Mais écoutez bien, listen, pourquoi je dis ça? C'est parce that, que vous verrez ça. It's nous sommes sortis and hors de l'éternité eternity, et nous sommes entrés. It was a kind of step. OK? And we stepped out, OK? Tunaweka atu wa moyizi nje ya milele ndio ya kuingia and so that we can enter in little time and space. Et vous voyez ce qui se passe? And you see what's happening. Donc avant de sortir and now before coming out, et remarquez and notice, cette partie-là this space here, représentant this time, ça and that's, let's represent comme that. A kind of age of eternity. Well, the age of infinity. Ni kanchongo tu inatoka inaforme saka nchongo kutokea kule kunani et cela est descendu en descendant ou en condescendant. C'était ce qu'on appelle le temps et l'espace. Et Frère Branham dit les attributs que nous étions à l'éternité, nous sommes sortis comme une phase hors de l'éternité et nous sommes entrés dans le temps et l'espace. Et si vous comprenez
comprenez bien, and if you understand quand well, on entre dans le temps et l'espace, space, on commence une marche. We start a journey. Jean chapitre 1, John chapter 1 et Genèse 1. In Genesis 1. Genèse 1, Genesis 1, verset 1, verse 1 et Jean, in John, chapitre 1, chapter 1, verset 1 à 14. Verse 1 to 14. Au commencement était la parole. Was the word. C'est là où commencent les commencements. Et le premier commencement, nous l'appelons le commencement original. Qu'est-ce qui était là? C'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jusqu'au point où nous sommes allés les longs jusqu'à ce que la parole a été faite chair. Or, la parole était faite chair complètement dans un corps né virginalement. Cela a traversé depuis la porte de l'éternité jusque dans le corps de Jésus. C'était toujours the unfolding of the same thing. Nikintu kimoja kimoja kile kikunenda na kudifununua as undani time ikunenda na kupasse. Et si vous remarquez bien, if you notice well, on a pris différentes formes. We took different forms. Mais la même chose. But the same thing. On a pris la forme. We took the form. On a pris la forme. The ending part c'est of it, quand on prend la forme de la flèche. It's when we take the form of the flesh. Pour que ce qui était la parole, ce qui était la sémence originale, original puisse avoir place dans une place de manifestation. Ça, c'est la parole qui a été faite chair. That's been made flesh. Et nous sommes allés comme ça. Frère Branham a dit, nous sommes sortis hors de l'éternité. Nous sommes entrés dans le temps. On appelle le temps et l'espace ici. Here, et vous voyez, see, et nous sommes aussi sortis. Out, maintenant écoutez, nous sortons hors du temps time, pour retourner dans so l'éternité. Voilà le mystère qui s'est passé. Maintenant ça s'est fait comment? Done, nous sommes venus dans le temps et l'espace space, jusqu'à avoir un corps physique body, appelé aussi le temps. Time, mais il viendra time, au temps de la fin. C'est comment sortir du temps. Comment sortir du monde. Sortir de l'espace et temps, convertir l'espace au temps et retourner à l'éternité. Voilà le mystère du temps de la fin. Et Branham dit, alors, nous étions venus avant qu'il y ait un monde. Et alors, nous sommes venus dans le monde. Avant qu'il y ait le monde, nous étions là. Quand le monde a été créé, nous sommes venus dans le monde. Comment est-ce que nous sommes venus dans le monde? Dans le monde, on vient en naissant et en prenant un corps. On ne vient pas dans le monde sans une naissance. Il n'y a pas de venue dans ce monde sans une naissance. Et comment on quittera le monde? And how are we gonna leave the on y quittera par une naissance. We're gonna leave it by a birth. Notre retour à l'éternité, eternity, c'est au travers aussi it's d'une also naissance through a birth, pour quitter le temps so et retourner time, dans l'éternité. Eternity, ça demandera une naissance. That requires another pour birth, quitter l'éternité eternity, et venir dans le monde, ça demandait une that naissance. A birth. En venant au monde world, pour quitter l'éternité eternity, dans l'espace et le temps space, on était né en venant we dans le monde on l'appelle la première naissance birth, et un esprit a reçu notre corps body, et en quittant le temps time, pour reconvertir so l'espace dans le temps spirit, et retourner à l'éternité ça eternity, sera au travers de la nouvelle naissance. C'est un mystère de transmutation. Translation. Là où nous étions dimanche. And that's why we're on Sunday. C'est au travers d'une naissance. It's through a birth. Et il y a un corps qui vient de cette nouvelle naissance. Voilà le corps de notre départ pour quitter l'espace, convertir l'espace dans le temps time, et quitter le temps time, pour retourner à l'éternité. So c'est au travers du mystère de la nouvelle naissance birth, de la transmutation des corps. Translation of the body. Écoutez, and now listen. Tu es venu dans le monde, world, transmuté dans un corps né. Tu quitteras le monde, world, transmuté dans un corps né. Mais le problème, problem, c'est découvrir la transmutation. Transmutation. Quel esprit est transmis à l'intérieur de ton corps né? Et quel esprit sera transmuté dans ton corps de la nouvelle naissance? Voilà un secret.
Voilà un mystère. And I'll see a mystery. Wow. Branham a dit, Branham says, nous étions venus dans ce monde. Came in this world. Nous étions là avant que le monde we soit. There before the world nous world. Sommes venus dans le monde. And then we came back into et the world. Nous allons sortir du monde the world pour retourner back dans un inconnu into à the nous. Unknown écoutez, maintenant. To us now. Ça a commencé avec le maintenant. And that started with the now. Le maintenant de William Branham, pas le maintenant d'aujourd'hui. And not that of today. Je vois même des pasteurs pastors, qui lisent les citations sans les situer dans les temps et l'espace. Il dit, Frère Branham a dit maintenant. Said, il voit comme si c'est le maintenant they de là où ils prêchent là. Et il dit, and now say, maintenant, and now, dans ici, here, de, ici, c'est quoi? Here, c'est le here, corps du temps et l'espace. The time space. Nous avons eu notre sauveur qui est venu au-dessus sur la terre. Il y a un temps où la tribu, notre sauveur, est venue aussi sur la terre. Et sur la terre, quand cette tribu est venue, ça a pris les corps, mais virginellement, et à ce moment-là, ça a manifesté ce que nous appelons l'office de l'homme. Un grand prophète, une grande pyramide parfaite dans un corps né virginellement pour manifester. C'est une manifestation du Fils de l'homme. Mais regardez, il y a aussi une révélation du Fils de l'homme qui s'est fait en même temps. La manifestation qui ça prend le corps de terre. Mais la révélation, ça exprime la voix de la tribu, le moyen que Dieu entre dedans. Là, c'est une révélation. Mais le corps de manifestation, c'est quand la parole qui est la révélation devient chair pour une manifestation. Et la révélation et la manifestation sont deux faces dans le Fils de l'homme. Mais on a des fils de l'homme, but we have sons of man, ni révélation, neither the revelation, ni manifestation, the manifestation, il n'y a rien. And there's vous nothing. Trouvez une personne qui n'est même pas née de nouveau. Il n'est même pas née de nouveau. Not even born again. Il dit, je crois au fils you de see, l'homme, je suis sauvé. Man, and I'm saved. Quelle est séduction? Why did deceit? Sans nouvelle naissance, without any new il birth, croit au fils de l'homme, he believes in the son of man, et il est sauvé. And he's saved. Écoutez, listen, le salut par rapport au Fils de l'homme, ce n'est que la semence prédestinée qui prend vie. Or, prendre vie, c'est le processus d'une naissance. La semence vient à la vie. Les gens se trompent. Le Fils de l'homme, ce n'est pas un enseignement à l'église, ce n'est pas une doctrine à l'église, c'est toute une révélation et une manifestation. Et ça demande la semence. That requires the seed. Regardez comme par exemple, and see, for example, la femme au puits, the woman at the well, il avait la représentation, she had representation de cette semence en of elle. That seed in quand her, cela est venu à la vie, life, elle n'est jamais retournée à la position encore. Il y a eu un processus d'une naissance spirituelle qui s'est passée. Quand il a reconnu le Fils de l'homme, the son of man, ça ne se fera pas dans la pensée et mind, la conception de doctrinale, mais c'est un processus d'une naissance process de la semence of the seed, qui vient à la vie. Which is coming back to life. Il y a même ceux qui se trompent. There even those who are lying to themselves. Ce n'est pas le temps encore de lire les Écritures. Il y a deux mensonges qui sillonnent dans des tabernacles. La femme au puits était sauvée sans repentance. Mais tu te trompes? Tu te trompes? Si tu n'es fût qu'un bon lecteur, reader, quand elle court là, écoutez même ce qu'elle dit au public. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Si tu es un bon lecteur, tu verras qu'il y a eu un processus de quelque chose de spirituel dans sa vie.
D'autres disent, les enfants d'Attirite ont été sauvés sans repentance. Vous vous trompez. La clé du royaume était quelque chose que Branham nous dit, ça ne peut pas être changé. Tu changes ça, tu es un enchanteur. Répentez-vous. Ah, moi, Frère Branham m'a dit, la repentance, c'est un état dans le cœur de la personne. C'est une tristesse selon Dieu. Est-ce que toi, tu étais dans le cœur de cette femme-là? Tu n'as pas trouvé qu'il avait une tristesse des choses qu'il avait commises avant? Toi, tu es entré dans le cœur des enfants de la tirage. Quand ils viennent se coucher au pied de leur mère en pleurant, tu sais ce qui s'est passé dans leur cœur? La repentance n'est pas selon les humains. C'est un état de cœur qui a la tristesse selon Dieu d'avoir vécu en dehors de sa volonté. Quand vous découvrez qu'est-ce que sa volonté, ça c'est un état intérieur. Ce n'est pas toi, tu viens, tu commences à imiter des choses. Non, écoutez, les doctrines c'est bien, hein? Mais l'expérience, c'est un état spirituel. Mais ils sont venus, ils étaient là, ces enfants, en train de rire de leur mère qui causait avec les prophètes. Mais comment ils ont quitté? Ils sont venus au pied de leur maman en train de pleurer. Tu sais ce qui s'est passé dans leur cœur? Comment nous avons des prédicateurs? Ils sont à la chair. Ils n'ont jamais eu l'expérience de la nouvelle naissance et de la tristesse du cœur selon Dieu dans une vraie repentance. Ils plaquent avec certaines choses. Il n'y a pas un cœur qui s'est converti sans repentance. Ça n'existe pas. Même celui à la croix, on ne l'a pas baptisé. Mais quelque chose est venu. Nous méritons cette mort, mais pas toi. Quelque chose s'est passé en elle. Dans cette personne-là, il y avait une repentance. La repentance, ce n'est pas ce que nous voyons les humains. C'est une tristesse selon ce que Dieu voit dans le cœur de la personne. Branham continue de dire, remarquez, notre Sauveur est venu aussi sur la terre. Ici sur la terre, lui-même s'est manifesté à nous. Oh, la tribu Sauveur, c'est un de nos frères. Dans la grâce de l'éternité, c'est un grand attribut. Cet attribut Sauveur, un jour est venu, ça s'est manifesté à nous. In us, et ça nous a donné l'espérance de la vie éternelle. The hope of everlasting life, la vie éternelle. Eternal life, et aussi, and also, point B, point B, dedans, in there, ça nous a promis la joie, ça nous a donné le bonheur, promis le bonheur et le contentement, qui est which is, quoi, which is le gage de notre salut que nous avons maintenant comme un héritage d'or. Pourquoi j'insiste sur ça? La tête des royaumes de terre, c'était de l'or. Mais quand la pierre de feu vient, tout flip. And now we're flipping it over. Les royaumes de terre, quand nous entrons dans le royaume de Dieu, la pierre de fête qui nous coiffe, ça met à nous l'héritage d'or, la tête d'or qui est Christ, et l'héritage de cela, la position dans ces corps-là, voilà là où nous parvenons au temps de la fin. L'héritage d'or. Et dans nos cœurs, il y a quelque chose qui a un grand poids. Ça, c'est à l'intérieur de cœur. Je dis, j'insiste un point, le changement de cœur. Dans nos cœurs, il doit y avoir quelque chose qui pèse grand. Parce que nous connaissons Dieu en majesté, qui nous a donné aussi ces grands attributs. Frère, brother, sœur, sister,
Apa, now here, I don't want you to leave without seeing what the prophet is saying here. Comme tu ne comprends pas bien, since you do not understand well, and I'll make you le understand même grand attribut, that the same great attribute, appelé sauveur, God Savior, appelé l'amour divin, ayant toutes les deux faces, and having all the two faces, était venu un jour, and came one day, à toute forme d'une pyramide, in the form of a pyramid, un grand temps, a great s'est entré dans un corps, né virginellement, au temps de la fin, the end le time, même grand attribut vient dans un corps body, pour la manifestation et terminer le temps et ces grands attributs amour, voilà le Dieu qui est riche en miséricorde. Mais dans quel corps? La pierre de fête a été manifestée. Écoutez, un sauveur de toute l'humanité, un sauveur des cieux et de la terre, c'est un attribut. Aujourd'hui, today, Dieu prend ces grands attributs, il les donne à un homme. Il nous a donné ces grands attributs et nous sentons les grands poids de cela. Tu dis que tu as bouché tout le monde dans mon milieu. Tu dis que tu as un attribut qui est là où nous sommes. Nous avons appris les chutes sans l'avoir mérité. Le grand attribut nous a été donné. Nous sentons un grand poids dans nos cœurs. Amen. Quel grand mystère! Le grand attribut, pas le petit attribut, le grand attribut de l'amour divin était donné à un homme. Et nous sentons ça dans nos cœurs. Quel est ce cœur? Changé, transformé, ou au plein de sentir le grand poids quand on est connecté au grand attribut qui nous est donné. La grâce, c'est quelque chose qui vous est donné sans même l'avoir mérité. Without even deserving it. Wow. Ça, this, les branamistes se fâchent. Ces messieurs vont aller où? C'est pas ces messieurs. It's not nous this lisons man. Ça, c'est we à l'anglais reading, même. This is even ce n'est pas English. La faute d'un traducteur. It's not a part of a translation. Il y a maintenant dans nos cœurs un grand poids. Great pound, parce que nous connaissons. We know. Ça, c'est la connaissance. This is the knowledge. On a déjà la connaissance. Tout ce qu'on a tout dit, qu'on a bougé tout ce qu'on a chiqué, mon mari, il est attribué Kouboua. Nous, on a tout pâti. C'est quelque chose dans le cœur. Ce changement de cœur, c'est tout un mystère. It's a whole mystery. Regardez, mes frères et sœurs. See, sisters, dans Daniel 4, in Daniel 4, le roi Nebuchadnezzar, that the king Nebuchadnezzar, Dieu lui avait donné le royaume. God gave him the kingdom, il lui avait donné la gloire. And he gave him the glory. Et la Bible dit, and the Bible says, il lui avait été donné that was given to un cœur d'homme. A man heart. C'était donné was given au roi Nebuchadnezzar. To the king Nebuchadnezzar. Et quand il a eu ce cœur-là, heart, il a considéré des serviteurs, servants, il a considéré le peuple d'alliance, il a tout fait bien. Mais right. Un jour, l'orgueil est venu en lui, him, la chose a changé. Now, changed, la Bible dit, il lui a été donné le cœur de la bête beast, à cause de l'orgueil pride, qu'il considérait plus le grand Dieu suprême et son peuple et ses serviteurs. Alors cette gloire lui fut enlevée. Qu'est-ce qui était la base? C'est le changement d'état de cœur. Il a quitté de l'état de cœur d'un homme. Il lui a été donné le cœur d'un animal. Et en même temps, on a vu un roi qui était dans les habits royaux, quitter le trône, aller dans la pelouse, commencer à brouter comme un animal. L'orgueil précède la chute. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Lui qui était inhumain, maintenant il commence à vivre comme un animal. La Bible dit, même les ongles ont poussé. Il était devenu comme un animal pendant 7 ans. Une punition. Il avait négligé Bachungadi Bachizaba. Et celui qui était Daniel et son groupe. Et quand ce grand watchman est venu, il a dit, Dieu that God va te donner 7 times, c'est-à-dire 7 ans, which means 7 times, anakura majani, and he ate grass, mujamashinda bumbush, and he ate the grass like a god, kayumutwika nashi kumpou, we're not even tied to his post, hotel and zambi, playing with God, mujamashinda kuyumutwika kumpou uto, bambush yetu yamu 67, turkwa, tunabeba mpou, yamuchi, au yakuma, tunafunga ngamba kule,
tunaenda kubaacha kupori hata anaenda anakura anakura mpo huyu namrudisha kama tufanye vile tulikuwa nawafungia kumbuchi ndio hapana bazambalala paka mpori ukure imeurudia huko benye kumubamba kwa mwenye naye propriete mais huyu mtu écoutez il quitte le trône la gloire supérieure à cause de l'orgueil et n'est pas considéré des serviteurs de Dieu, même ceux qui l'ont soutenu de Daniel et les autres, on l'a vu quitter. Il enlève les habits royaux. Il devient avec la nature d'un animal. Que by mon joie, comme ce que nous avons le Bakwa bon, hein? Nous devons comme on a nommé Badiba. Et nous avons un Zambi ou Bajomon. C'est pour cela. And that's why, dans les voyages de vie, in the journey of life, il y a beaucoup de choses qui tournent tout autour. There are a lot of things that turn around. Et il y a des grandes déceptions. And the great disappointments. Il faut faire attention. You need to be very careful. Ce n'est pas commencer un voyage qui est un problème. It's not starting a journey which matters. But it's finishing the journey. Ukiona mu maisha. And if you see in life. Mambo inakuzungurukia. The things that problem are surrounding you. Ingine kunaenda na mububaya. It's because bantu bangu nilokuzungurukia. And people are surrounding you. Ingine biko nakukuia bakuna mububaya. Even wants to go. Ni malgré tout. Commit evil against. Kuko kintu kinakukate mu njia. Regardless of all that, there's something keeping you in the way. And you see on your journey. Ukunaenda kukifukuzia. You're going to your target. Ni kifukuzio ni hii manifestation. But the target is this manifestation. Na ile ngao. In that side. Ya quelque chose de bien dans ton parcours. There's something good in you. Mena le bien et le mal qui t'arrive là. Si c'est la volonté de Dieu, il t'abat. Just accept. Tu dis, sois dans un petit coin. Let what the will of God be done. Those who hurt you, others who forsake you, and others who turn back against you, others who fight you. But just keep up with the word of God and move forward. Lelu nyaba kaba no jodile ni mikish. Now today they're even bringing up ghosts. We're going to fight the one. Kule tutamalizia bugonji. You know what we're going to finish today? Ngokulo la kwa lusengu lwa mu Vatican. Wa mu bishenya ka jola. Muso ngantande. Ka chidingi nyao. Tuti tumusokele na vita. Uju nyema wa lugile kubajani. Ani ngakule mchoba bwani ne bade bakwa ta video ka ba wuvuto. Regardez ce qui vient. And now look what comes there. Quand ces grands attributs nous ont été donnés, this great attribute was given, là-dedans, and also in there, ça nous donne quoi? He also gave us l'espérance de la résurrection the hope de of notre the resurrection corps. Of our body. Voilà pourquoi and I'll see why. Les grands attributs sont donnés et le grand poids de cela, se sent dans l'intérieur du cœur. Où faut que vous ayez chuté? You die without that. Où Dieu coupe à mon sanglant. Ni katugu monya hato uju mufwa mu moyo mweba you die in your heart tu n'as pas expérimenté le poids du grand attribut qui donne l'espérance de la résurrection de ton corps tu es perdu you are lost et il dit and he says
Ça sera comme l'argent like qui money, est un cash. For the earnest money of that, tu dois commencer à recevoir cela and comme un cash. Start to receive écoutez, that as an les gages, la preuve que tu as un corps de résurrection, tu n'attends pas quand il y a quelque chose qui va se passer comme ouf et tu changes. Non, tu commences à l'avoir. C'est comme on prend un gage, like tu gardes ces gages-là pour te donner une espérance, une assurance que tu as un corps qui t'attend. Même si tu quittes celui-ci, il y a celui qui t'attend. Tu dois avoir ça maintenant. Et cela nous a déjà donné sous forme d'une guérison divine. Tu ne comprends pas bien. J'étais en train d'écouter. Aujourd'hui, today, Dieu est riche en miséricorde. À la fin, and end, Frère Branham change. Brother Branham changes, il donne deux déclarations. La première déclaration, c'est ce que je viens de vous donner. La deuxième déclaration, one, il dit à l'église, and he said to the church, pourquoi j'ai parlé tout ce temps? Il se tourne. And then he turns around. Il dit, regardez. And he said, look. Il pointe dans la and salle. He points in the room. Deux personnes. Two people. Je suis en train aussi d'aller pourquoi j'enseigne ça. And I'm also going to talk pour que about tu me comprennes bien. Teaching this for you to understand well. Il dit, regardez. And he said, look. Dans la salle, in the room, il y avait un homme there was a man et une femme. And a woman. Peut-être que je n'ai pas bien saisi. Maybe I did not understand well. Si. I didn't catch nous up sont du même genre, if mais ce que saisi aujourd'hui, c'était un homme et une femme. And a woman. Frère Branham, tout ce que j'ai if parlé tout ce temps, said, oh, c'était pour vous pointer ceci. To point to you this, l'homme, that the man, Dieu révèle que God reveals that tous les intestins that all the intestines de cet homme-là of this man étaient rongés par le cancer. Already eaten up by the cancer. Et que la médecine des États-Unis and that the US medicine ne pouvait rien. Could not, et Branham dit, and Branham says, ces genres de problèmes, that this kind of problems, ça demande les dieux that requires qui the God est riche en miséricorde. Et je te dis, you, termine bien la banque. Frère Branham a pris sur cet homme. Il lui pose la question. Tu as besoin de vivre encore? Il dit, alors, reçois ça et pas à vie. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Vous savez, and you know, Dieu ne donne pas ce genre de choses pour les donner. Kind of il regarde la deuxième personne person dans l'église. In the church, ce message n'était pas prêché comme preached, on le prêche dans les églises. Like preach in the c'était churches, toute une action, that was the whole action du grand attribut. Of the great il dit, cette femme, and he said this woman, elle avait un problème dans sa vie. Elle ne donnait pas naissance. Not giving birth. Elle est venue vers le prophète prophet, dans les années passées. In the past years, Branham, and Branham, sous l'onction messianique, under the messianic anointing, a prononcé une parole spoke a word qu'elle doit donner naissance. That she needs to give birth. Et la femme-là and that woman a donné naissance. Gave birth. Mais vous savez, but you know, les années se sont écoulées. Years after, j'aimerais que tu comprennes bien. But I would like you to understand well. Tu peux voir, tu pries. You might see and you might pray. Le problème traîne. And yet the problem delays. Faut comprendre le mystère. You need to understand the mystery that is Dieu, and God, Dieu peut te faire quelque chose. God can do something to you. Mais do something for you. Cette victoire. But that victory. Il faut que tu penses. You need to think. Qu'est-ce que ça suscite comme colère dans le camp de tes ennemis? What is that rises wrath in the camp of the enemies? Si tu reçois une victoire, if you receive a victory, tu rentres, and you go back, tu commences une vie de négligence, and you start a life of negligence, tu risques à croire. You are risking. Ce que Dieu fait dans nos but vies, but what God does in our lives, il ne le fait pas pour le faire. He doesn't do them just for et ce qu'il a déjà fait, what he already did, en attendant ce qu'il fera encore, for what we do again, ça peut te susciter encore might une bring guerre. A lot of power. La femme est partie. Now the woman went, elle a donné naissance. She gave birth, peut-être elle a chanté victoire. And maybe she sang for a mais victory. Comment garder aussi but la how victoire to safeguard the victory, pour aller de victoire en victoire, victory, de gloire en from gloire, glory to glory, tu dois être dans l'attitude. You have to be in the attitude. Un jour, one day, quelque chose est arrivé sur la même femme. Something happened on the same woman. Un accident est venu. An accident.
Elle est en train dans un accident. She was involved in an accident. Ça détruit une partie de son corps. That destroyed a part of her body. Que maintenant, that now, il était condamné par la médecine she was now doomed by de the ne plus marcher. To never après walk la again. Victoire after the victory, de la prophétie de l'enfant, of the prophecy of the le child, parcours the journey, l'amène à un accident, it brings it to an accident qui le retourne that she goes back, à ne plus marcher. Will never walk again. Ces jours-là que la bande s'est prêchée, le Dieu riche en miséricorde, cette même femme sur laquelle on a témoigné dans le passé était là, mais cette fois-ci was now there, but this time, dans une chaise roulante. In the wheelchair. Branham a dit, and Branham say, tu veux marcher, you want to walk, le Dieu qui est riche en miséricorde, rich in mercy, tu dois rentrer et marcher. You have to go back and walk. Ces jours-là, that day, le cancer qui avait rongé les intestins, the intestines of the man, devait terminer. Was supposed to ces jours-là, in that day, l'accident qui l'a amené à ne pas marcher not to walk, devait changer. Was supposed to mais change. Qu'est-ce que je te dis? But what am I telling ça, c'est you? Le produit and de la guérison divine. C'est-à-dire, le Dieu des attributs, le Dieu créateur, est à mesure de créer notre organe en toi, là où la médecine humaine ne peut pas faire. Produire ça, c'est la guérison divine. Ça doit être marimbuku ya mwili ya ufufuko. Oh, mon le Dieu riche à miséricorde rich peut prendre la chose qui te condamne, une punition qui t'est donnée, miséricorde, peut l'enlever dans la vie. Cela doit être dans notre vie comme étant le gage que nous avons un corps de résurrection. Si tu vois un nez rongé par le cancer, Dieu créé. Un bras écourté, Dieu repoussé. Ça te donne une preuve que le corps de la résurrection a été manifesté dans un gage. Ça, ce n'est pas le don de guérison. Ça, c'est marimbuku. Il y a guérison divine. En d'autres termes, ni qui le qui connaît ça, que moi, il y a un foufou qu'on a. You have the body of the resurrection. Tout ce que l'ennemi peut faire, le Dieu qui est riche en miséricorde renverse la situation à tel point que le créateur, l'attribut créateur dans ta vie, les grands attributs sauveurs peuvent tout faire dans la vie. Tu es comme ça? You're like that. Comme tous les humains, non. Just like any other human. Quand toi tu fais mal, and when you commit evil, l'attribut sauveur éclate en toi. Tu n'es pas dans ce corps pour manifester de telles choses. Tu es non. Qu'est-ce qui fait ça? Les autres font ça, ils sont à l'aise. Mais toi tu n'es pas en paix. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'attribut qui éclate en toi. C'est pour cela je vais clôturer avec le Dieu crié à riche en miséricorde. Je vais sauter quelque chose. And I'll skip something. Écoutez d'abord. And I'll listen. Il y a quelque chose en nous that there's something in us qui manifeste which manifests le grand attribut de la grâce du côté de la grâce the side of grace et de la miséricorde. And that of mercy. C'est ce que Dieu and that's what God fait manifester dans cette phase. Manifest in this mais space. Comment but how dans ton corps humain in your human body, tu dois vivre ça. You must leave that. Les péchés pour les autres, now the sin for ils others, entrent dedans, they go in ils there, sont perdus, and they are lost, ils quittent la terre perdue. Toi, il y a un attribut and yet for qui you, there's an attribute that follows you. Pas comme il y a Zandou Zarika, mais on a Tchana Nabo. Ça dépend de quel attribut, quelle sémence a reçu ton corps à la maternité. Il y a les corps, quand l'esprit entre là, ça infiltre dans ta vie. Ça transmet en toi une sémence surnaturelle, mystérieuse et invisible. Ça peut être la sémence de discorde, ou comme ça peut être la sémence parole d'avant la fondation du monde. À un moment donné, une lumière vient à toi, ça éclate cette semence et jamais tu ne retourneras plus à ce mal. Ça, c'est quoi ça? C'est être connecté au grand attribut à nous. Tu verras la grâce et la miséricorde accompagner tous les jours de ta vie. Ça, c'est psaume, psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quand ils prient pour sa réponse,
repentance, dans Psaume 51, il dit, donne-moi, crée en moi un nouveau corps, un nouveau cœur et un esprit bien disposé. Et que l'esprit de toute grâce puisse accompagner ma vie. Voilà des secrets qui se passent pour les attributes. Wow. Lisons d'abord. Now let's read. Les prophètes. The prophet. Nous n'avons que trois citations à lire. We only have three la nuit dernière. We had last night, la nuit dernière, as we had last night, avant le Dieu qui est riche à miséricorde, Frère Branham a prêché la semence de discorde. Et il dit, comme vous avez entendu la nuit passée, quand un corps revient au monde, c'est là où je suis en train de pleurer. Ce corps-là, qui est né à la maternité, born, il y a quelque chose qui se passe. On peut l'appeler, and we can call it, par les humains, by human, une chance, a chance ou une malchance. Or bad chance, mais bad nous luck, nous l'appelons but we call it la grâce the grace et la miséricorde and the mercy pour l'épouse. For the bride. Quand le corps naît dans ce monde, body is born here in this world, quand on vient dans ce monde, we come in this world, c'est par une naissance. It's by a birth. Mais on sort du nez. But we're coming out of eternity. Ça peut être le côté de that Dieu. Might be on the side of ça peut God, être le côté de might be on the side of maintenant, Satan. Qu'est-ce qui se passe? But now what happens? À la naissance in du corps physique, time, the physical birth, un mystère invisible se passe. An invisible mystery il y a place. Une sémence a seed, invisible, an invisible dans le domaine de l'invisible the invisible, qui vient dans ce corps. Et ce domaine-là realm, qui vient dans ce corps-là, car body, le corps c'est une terre, ground, c'est une sémence. It's a seed. Ça peut être la sémence de discorde, tout comme ça like, peut être la sémence parole d'avant la fondation du monde. Les parents ne connaissent now, pas ça. Les sages-femmes là ne connaissent pas. Il n'y a personne dans and ce monde qui connaît ça. World, tout ce qu'on connaît à la maternité, un corps mort sans vie est venu hors de sa mère. It came out of a mouth, mais pour que ce corps-là vive, un esprit live, doit y entrer dont la mère n'est pas responsable, dont le père n'est pas responsable. L'enfant qui naît n'a pas le secours de sa mère. C'est-à-dire il n'a pas participé. C'était la volonté de ses parents. Il n'a même pas choisi, je serai né par telle mère ou de tel père. De tel... Non, non. Les choses-là, l'enfant lui-même ne participe à rien. Même notre naissance spirituelle, nous ne participons à rien. Mais quand ce corps vient, un esprit vient pour manifester les domaines de l'invisible, les domaines de l'inconnu dans un corps de manifestation. Ou au même moment-là, un côté sémence est infiltré, invisible. Et ça peut être la sémence de discorde. L'enfant n'a rien fait. And now the child hasn't done anything. Même les parents n'ont rien even fait. The parents did not do anything. C'est le domaine hein, des invisibles. It's the realm of the invisible. Branham dit, and Branham says, vous avez entendu l'autre nuit la sémence de discorde. The discrepancy. Et est-ce que avez-vous apprécié did you appreciate cela that? Que le Seigneur vous bénisse. La congrégation dit Amen. Et j'ai certainement aussi apprécié comment je vous ai amené ce message. C'est Branham qui était tenu pour mais là, écoutez, ces messages à vous, j'ai apprécié comment je vous ai amené ce message à vous. Et vous voyez ce que sont ces sémences. Il y a sémence au pluriel, deux sémences. La sémence de Dieu, sémée par le Fils de l'homme, et la sémence de discorde, sémée par l'ennemi. Nous voyons ce deux sémences. Allons maintenant à 40. Now let's go to 40. Branham dit ceci. Branham says this. 40. 40. OK. Maintenant, and now, nous étions en train de parler l'autre nuit. And speaking the other night, l'autre nuit, c'est quand? What was the other c'est quand night? Tu le prêchais la sémence des discordes. Est-ce que vous voyez l'introduction de Dieu qui est riche en miséricorde? C'est l'émanation de la sémence the des discordes. C'est ce que beaucoup n'enseignent pas that's comme ça. A lot of people do not teach. Nous étions en train de parler l'autre nuit on the other night, comment la sémence doit mourir. Must die.
Et il dit, and he's saying, et chaque chose around, and everything around that germ, ce germe de vie, around this germ of life, aussi, must, doit mourir, must not only et die, pourrir. But rot. Quand nous sommes dans un voyage, when we're in a journey, il y a des choses qui tournent tout around. There are things that are turning around. Oui, le journey. Même la semence est comme ça. Even the seed is like that. Et Frère Branham dit, and Brother Branham say, nous avons expliqué that we've explained comment une semence doit mourir a seed must die, et même pourrir even pour que le germe de vie so the germ of vienne the germ à la vie. Life to come et back il dit, to life. And he says, si cela ne pourrit pas, but if it doesn't, alors cela ne peut pas vivre. He cannot live. Et and si cela pourrit, and rot, c'est complètement fait en dehors avec cela. Done with it. C'est que tout ce qui était which means all what was de cette semence-là, seed, ça n'est fini de ça. Over for that. C'est que tu t'es... Donc, tu, si la semence, prenons par exemple, la semence seed, de la vie naturelle, the seed of the natural sa nature pécheresse, and sinful nature, si ça meurt and if it dies, et ça pourrit, and it rot, tu t'es débarrassé. Tu y es délivré de tout. You deliver that completely. Tu ne peux pas être dominé par cela encore. You cannot be ruled by that again. Donc, tu es complètement divorcé now de la completely chose. Divorced with the thing. Parce que la chose est morte. The thing is dead. Et ça pourrit. And it's rotten. Et il dit. And it says, et c'est là que ça n'est fini. And it's finished. Et c'est jusqu'à ce que it's until nous arrivons à une get place, to the place où nos propres idées et notre propre and our raisonnement thinking, est complètement completely parti gone, et que cela pourrit and that brought or à partir de nous. From us, et il dit, and then say, alors and then, le germe de vie germ peut commencer à vivre. To leave. Oh, mon Dieu. Et maintenant, and now, nous pouvons, am I, je peux injecter juste quelque chose un tout peu dans la doctrine ici. Qu'est-ce que tu veux injecter, Branham? Il dit, est-ce que je ne peux? Il dit, et si vous ne pouvez pas croire cela, all, c'est juste. Right. Mais, but ce qu'il veut injecter, c'est juste OK. Just fine, okay. Qui qu'on a que juste mouvil et qui quoi. Mais où est-ce que tu chiques? Ah, on est dans ta ligne rapide parce que tu as le libre arbitre. Your choice. C'est quoi, Frère Branham? And what is it? Je crois cela. I do believe it. Et je crois que and I believe that un homme, a man, quand il est né dans ce monde, when he's born in this world, on vient dans le monde par la naissance, birth, on quitte une éternité, et on a step out, out en venant dans le monde, c'est par une naissance. Mais je crois, toi tu peux refuser, c'est aussi OK. Mais pour Branham aussi, but c'est juste OK. Like parce que Branham croit cela. Branham moi aussi, je crois également. Et il dit, says, quand un homme est né dans ce monde, world, quand vous n'êtes que juste un just petit bébé, baby, pas encore que tu aies d'âge grandi, un petit grown, bébé, just a little baby. Mais je peux te dire même, and I can even tell avant you, que tu saisisses même l'odeur de ta mère, before you even feel the scent of your mother, et que tu allais, que tu sois allaité, and you start being breastfed, pour que ta conscience de bébé so that your baby ne se trompe pas qui est ta mère. Avant cela, ce problème that, arrive. And this problem arrives. Parce que cela arrive dans quelques because secondes après ta naissance. After et surtout si tu es tout seulement, ça n'est fini. You, même you si on prend, on a bébé tout maman, vous m'avez vu moi faire, on a couru qu'à parler bébé. Maman qui est où? This is your mom. Je suis juste fait ça. Already know the mother. Mais when you come kiro, I would like a baba. But you spiritual, you don't know who your dad or your mom is. Okay. Dès que tu il est encore un petit bébé, né dans ce monde, born into this world, vous pouvez ne pas même connaître l'autre ici here, sans être, écoutez, without being, tu ne peux jamais venir ici you can never come here, sans être déjà without dans being la pré-science. The ça c'est for knowledge. Écoutez. Listen. Dans la préscience de Dieu, parce que Dieu étant infini et connaissant chaque chose, il connaissait que tu allais être né, même la seconde de la date, même ta conception est bien connue.
la préscience the prescience a tout le contrôle. Or the foreknowledge has all the control. Même combien pousse va cligner l'œil. And even how many times l'infinité a la connaissance de the ça. Ça, c'est la préscience. That's the foreknowledge. Le corps humain peut atteindre la connaissance, mais le corps attribut peut être connecté au sens de préscience. Prenons ma vie, tu ne pouvais pas venir dans ce monde sans que la préscience de Dieu connaisse cela, parce que lui connaissant tout, et il dit, et quand tu n'es qu'un petit bébé qui est né dans ce monde, il y a quelque chose dans ces bébés-là. Si cela n'est jamais venu à la vie, cette chose qui est dans les bébés, dès qu'il est encore un tout petit peu, il y a un temps où cela va venir à la vie. Mais si cela n'est jamais venu à la vie, il y a un petit quelque chose là-dedans, dans cet enfant-là, et quand il vient à ce quand cela vient, when he comes to that, à lui. When he comes to him, ça peut être tôt, he might be sooner, ou en retard. Or later. Les autres, and others, ils prennent conscience de la chose they take conscious of avant le temps. Before the time. Et surtout si ce sont les enfants and qu'on a commencé children, à entraîner aux choses de Dieu dès le bas âge, from their little la age, chose peut éclater dans sa vie bien avant. Something can explain their et c'est comme dans la famille de Frère Branham. Like in Brother Branham's family. L'autre fille a eu ça à 8 ans. The other daughter died by 8. Frère Joseph a eu ça bien avant même 8 ans. Brother Joseph had died before even 8 years. Commencé à voir. Started to have. Même des visions, des rapports dans son. Tu vois, il y a ceux qui peuvent avoir ça bien they avant, la chose commence à éclater. That, start, mais d'autres, ça prend longtemps. But others, it might take a long time. Peut-être avant ces longtemps-là, maybe before that long time, the person goes in this, goes in that, goes in this, ça le prend un temps. That takes a lot of time. Sooner or later. Si cela venait de la préscience. Il dit, et c'est une petite semence. That tu vois ça? Seed, cette petite chose-là dans le petit enfant, thing in the child, c'est toute une petite semence. It's a seed et Branham a dit, qui est en lui. It's a seed in him. Et si vous allez prendre take, les Écritures, the scripture, déclare cela pleinement. That. Et 42. And maintenant, and now if, si vous avez obtenu la vie éternelle cette nuit, tonight, si cette nuit tu as déjà obtenu la vie éternelle, tonight, il dit, et si vous avez la vie éternelle, life, alors then, vous avez été là. We were there. Parce que il n'y a qu'une seule forme de la vie éternelle. Et vous étiez toujours là. There, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. We were here, c'est parce que nous sommes une partie we are de Dieu. A part of God. Cette partie de Dieu qu'on appelle and la tribu, this part of God that we call dans la préscience, in the foreknowledge, vient dans l'enfant it quand il est the encore child un petit when enfant. Still a little baby. C'est une petite semence en représentation. In representation, mais ça viendra à la vie tôt ou tard. Come to life later. Mais il y a d'autres corps. But there are other bodies. Ils le sont nés. They are born. Nikimbeko. It's just the seed. Kamuchangambeko. The mixed seed. Ndio qui n'a pas recevoir. Which receives them. Qui est responsable de ça? Who's responsible for that? Ce n'est ni nature. It's neither the nature. Ni surnature. Or the supernatural. Ce n'est ni chance. It's neither by ni malchance. Good luck or bad luck. Mais c'est le mystère de but sa volonté. It's the mystery of his will. C'est ici un problème. Hein? And see a problem. C'est un mystère. It's a mystery. Qui connaît qui? Who knows et who? Qui connaît quoi? And who knows what? Les parents ne sont que responsables the du corps. Parents only responsible of the body. Mais bien les mamies liées qu'on a bumba. By what the body is meaning in life. Dans bumba c'est qui? Ce n'est ni moi ni vous, ni pasteur ni l'église, ni le ciel ni l'enfer. Or heaven or hell. Ni mambo ya fils de l'homme ni l'ennemi. The son of man and the enemy. Hey, we ni kimwili kia bulongo tsaki shamba. It's just the body like a field. Cela nous aidons les parents. And that's how we help the parents. Il y a quelque chose qui peut aider ton bébé. There's something that might help your baby. C'est le concevoir en préparation it's avec Dieu. To conceive the baby in preparation with God. Et donner naissance à un corps and dans la même atmosphère. In the same atmosphere. Ça peut attirer les côtés might de Dieu. The guy in the hand of God early.
Il dit, and he says, parce que mon grand, ma grande interpellation cette semaine, my interest comment this peut-on week, découvrir la partie de Dieu à l'intérieur of God inside of us? Un poisson a fish a un sens has a sense de détecter les niveaux de l'acide dans l'eau. Si il vivra water, dans cette eau ou c'est un environnement qui ne convient pas pour nous, comment nous détecterons it aussi et avec quel sens on peut découvrir la partie de Dieu à notre intérieur? Voilà les secrets. C'est dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit, regarde. And now he said, look, c'est parce que nous étions une partie de Dieu part of God, et que Dieu est la seule chose qui soit éternelle. Nous avons eternal les choses célestes, ce sont les choses éternelles. Nous avons des choses terrestres, ce sont les choses temporelles. Maintenant, but now, les choses nouvelles sont en train d'être déclarées. Il y a des célestes qui viennent incarner des terrestres maintenant. Et si ce sont les attributs qui étaient à l'éternité avec Christ, voilà l'épouse et son corps dont nous parlons. Pas un tabernacle, pas une doctrine, pas une église. Il dit, regardez, ce sera comme Melchizedek. Il a reçu les dîmes. C'est ici le mystère des dîmes aussi est problématique. Mais admettons peut-être que nous donnons la dîme à un sorcier. And now let's say we give our tithe to a witch. Admettons peut-être qu'on donne la dîme à un magicien. Let's say we give our tithe to a magician. Qu'est-ce que ça va transmettre? Why would that transfer? Sorry for that. C'est ici où il y a des gens qui ne connaissent même pas les secrets des offrandes. And it's here where the people do not even know the secret of the offerings. Et du mystère des sacrifices. And of the mystery of the sacrifice. La théophanie de Dieu, theophany of God, est venue un jour came one day, sous forme d'un homme, in the form of a man, sa rencontre Abraham, and he made Abraham. Il vient d'une victoire, and he came from a victory, avec un groupe de 300 personnes 300 people, qui étaient ses serviteurs. Servants, ils ont vaincu they overcame, plus de 5 rois. More than 5 kings, ils ont arraché par l'amour divin and they took by divine le love, frère Lot. The brother Lot. Au retour, back, il y a une vallée qu'on appelle la vallée du roi. King, d'une manière mystérieuse, way, Abraham et son couple là, group, qui vient de la victoire des rois, rencontrent king, un homme, and naturellement man, un homme. Il a tous les cinq sens, il parle, il lève la main, il jure au Très-Haut et bénit Abraham à partir de la cérémonie du plus haut. Et cela ouvre l'intelligence spirituelle en Abraham. Abraham comprend. Abraham, il prend toute la Bible and now it took all the de ce qu'il avait. Of all what he had, il le donne à Melchizedek. Mais faites attention. Now, pay attention. Dès qu'il donne ça, and once he gave that, ça fait une transmission, that did a transmission jusqu'à dans les semences qui étaient dans ses reins. That was in the line, ça va bénir and Lévi. That went to bless Levi. En même temps, il at the same time, Lévi n'était qu'une sémence dans les reins d'Abraham. Ce mystère de la dîme est aussi grand. It's also great. Abraham, il donne la dîme. And he gave the tithe. Mais regardez les mots utilisés. But now see the word Melchizedek reçoit. Mais recevoir là, qu'est-ce que cela veut dire? Now what does that mean? C'est ici un mystère. And it's here where there's a mystery. Ce n'est pas couper dans la vie. It's not to take it. Mais c'est un mystère. But it's also a mystery. Parce que vous savez, because you know, on reçoit avec le cœur. We receive with the heart. Tu peux être le bienvenu you might be welcome dans l'état du cœur de la personne in the state of the heart of a person, ou malvenu not welcome dans l'état in the du cœur, mais l'extérieur te dit but autre the outside chose. Tells you something else. Abraham and a donné la dîme, Abraham gave the tithe, mais ici, Branham dit, Melchizedek a reçu ça. Melchizedek received it. Et quand Melchizedek reçoit ça, Melchizedek received it, c'est là and that a été loti, that was slotted, cela a été compté, that was slotted, accounted, pas
à toutes les semences qui étaient dans les rêves d'Abraham, ça va se transmettre jusqu'à sur Lévi. Et pourtant, dans les seins d'Abraham, il y avait encore plusieurs semences. Même Isaac n'était pas encore. Mais la réception de la dîme ne transmet pas quelque chose à Isaac, ni à Jacob. Mais ça va tout droit. Hein? S'interjecter. In that interject. Je vais injecter quelque chose. Ça va entrer juste dans Lévi. And that goes into Levi. Alors que Lévi n'était pas la seule semence dans les reins d'Abraham. Quel mystère de transmission de vie. Quant à la dîme. Et regardez, quand Jacob vient, il donne les enfants, il a 12. Dieu descend. Le même qui était à Melchizedek, il lui dit, Lévi, son travail, c'est travailler dans mon temple. Il ne vivra que de la dîme. You only live from the tithe. Pourquoi ne dit pas Agathe? Why didn't you say Agathe? Pourquoi ne dit pas Judas? Why didn't you say Judah? Pourquoi ne dit pas tous ces autres tribus? Hein? Il vient, il dit à Moïse, faites l'organisation du camp. Lévi doit travailler au temple. Il recevra la dîme de ses frères et vivra de cela. Et vous, and you, quand Josué when Joshua, va par inspiration vous donner des portions de terre, et réserver une portion pour les Lévites. For Levi, for the Levites, et les Lévites aussi, and the Levites also, on leur dit dans les portions qu'on vous a réservées, placez dedans and I'll put in them, des villes de refuge. The cities of refuge. Mais pourquoi la chose élodie comptait pour n'être transmis que sur Lévi? C'est aussi un mystère. Et Lévi Levi était le grand-fils was the great grandson d'Abraham. Of Abraham. Ni mungana aungano nuina wa Abraham. The great grandson of Abraham. Faites attention. Now pay attention. Faites attention là où Branham nous amène. Attention where Branham is bringing us. Frère Branham a dit, and Branham says, quand tu es né, and when you're born, dans cette vie, in this life, tu es un bébé. You're a baby. Il y a un temps où tu seras un jeune. There's a time that you become a youth. Il y a un temps où tu deviendras un there's parent. A time that you become a parent. Il y a un temps où tu deviendras there's un time grand that you parent. Become a great parent. Mais si vous remarquez, but if you notice, la nature de ce monde the nature of this vous transforme. Will transform you. Mais en passant par ces étapes, by passing these steps, mais votre personne by your person, n'est jamais changée. It's never changed. C'est comme ça Dieu tout ce temps. And that's how God is all this time. Il se métamorphose aussi, and he changes forms, mais il garde toujours la même nature. He keeps the same divine nature. Il y a un temps où il était dans la there's colonne de feu. A time that was in the pillar il y a un fire. Temps où il était en there Jésus. Was a time that was in Jesus. Il y a un temps où il était there dans les ailes de l'Église. That was in the church mais ce temps, but this c'est time, le temps où il est en Branham. A time where he's in Branham. Le Dieu dévoilé. The God, the unveiling oh boy, God. You refuse and you live. Undimi. You refuse that. It's up to you. Maybe so to undimi ango. I will believe it. Na tofanda nye. La grande manifestation dans une chair du prophète, dévoilant Dieu, révélant les sceaux, au kolongolango na katina bisoti, et fandanie katina biso. Mais tobo yika mindondo. Ça, c'est ce secret qui déterminera la prédestination aujourd'hui. C'est découvrir Dieu tout ce temps. Et maintenant, nous le découvrons à l'accomplissement du temps. L'alliance. Maintenant, regardez, séparée des Chinois, une partie était dans les corps nés virginalement, l'autre partie dans les corps de l'épouse, et nous voulons les ramener pour que la partie qui vient du ciel et la partie qui vient de la terre puissent se mettre ensemble. Que le cercle entier puisse retourner dans sa forme. Nous sommes à ce point. Le grand mystère, c'est ce que nous transférons aussi dans la vie.
le parcours de Dieu avec Abraham. The journey of God with Abraham. Il dit, il paya la dîme. And he said, pay the tithe. Faisons par exemple la dîme au pluriel. And he said the Et alors, and then, Lévi qui a payé la dîme, faites attention, ce n'est pas Abraham. Votre pantalon Lévi. Now you're paying Lévi. C'était un attribut en Abraham. Abraham. Il payait la dîme, tithe, mais étant dans les reins d'Abraham, Abraham, quand il a rencontré Melchizedek. Le grand problème ici, quand Branham a rencontré Melchizedek dans la nuit, est-ce que Abraham tu étais dans les reins d'Abraham? Est-ce que tu as payé aussi la dîme? Did you also pay your tithe? Dans les reins de William Branham. In the line of William Branham. Quand il entra dans la nuit, est-ce que toi tu étais When he entered in the cloud, were you with him? Et quand il révéla les noms qui And étaient dans les livres de vie à Jefferson Leavitt, est-ce que ton nom était appelé? What is the name also called? Quand Jésus vint et appela, Jesus mais sous la forme d'un homme, by in the form of a man, pour dévoiler les mystères d'avant la fondation, est-ce que tu étais là? Ou bien on voit le coucou avec moi? Atribi ndani ya ngambo wako au ngambo ya Branham. Non, vous voyez, oh, il see, fallait qu'on attende avant wait. De prendre le livre. Non, non, le problème c'est si tu étais dans les rangs. Problem is if you were in the line. Lévi a été appelé. Levi was called. Dans les mystères de la dîme. And the mystery of Mais the son life. Corps physique n'était pas By encore sur la terre. Was not on earth yet. Nous, il fallait attendre que oh, je sois né. Non, perform. Non, les choses, ce n'est pas comme ça. Things are not like that. Il dit, remarquez. And he said, notice, si vous remarquez cela maintenant, if you notice that now, qui est ce Melchizedek? Melchizedek? C'est la théophanie qu'on tournait dans Branham. Et l'épouse and the bride était dans les reins. Et la dîme ici, tithe, c'est une partie de lui-même. C'est une sainte scène it's a holy, en germination. Une partie de ce que nous étions en Dieu va être transmise. That will be transferred. Et comment la reconnaître? In c'est ce mystère de qui est Melchizedek. It's the mystery of who is Melchizedek. Et pourtant, And yet, le Dieu qui est riche en miséricorde, c'était qu'une semence, soit de discorde, soit de Melchizedek, doit se retrouver dans le bébé avant. Mais les gens et les branhamistes ne comprennent pas ça. Il dit remarquez, si vous remarquez cela maintenant, now, c'est le chemin de retour. C'est la voie de retour. It's a way back. It's a way back. Et il dit, and he says, pour and ce que Dieu avait connu which means God knew, depuis le chemin là, dès avant la fondation du monde, world, que ce petit garçon allait venir ici sur la terre here, et il connaissait toutes les choses. C'est ça le secret, mystère. And that's a mystery secret. De qui est Melchizedek dans ce problème? Of who is this Melchizedek in this problem? C'est ici un monsieur. And it's here where there's a problem. Et une semence dans un monsieur. A seed in a man. Qui viendra à la vie un jour. Which will come to life one day. Si c'était dans la prescience. And if it was in the foreknowledge. Toutes les choses que ce corps viendra faire. All the things dit, that the body si vous remarquez, do, nous sommes une partie and de Dieu. Part God, et nous avons toujours and été. Was, et mais nous ne nous rappelons pas de cela. C'est that. Parce que because nous étions seulement un attribut en Dieu. Et nous avions été dans and la pensée de Dieu. Votre véritable nom very name, qui était dans les livres de vie blank, et qui était placé life, dedans avant la fondation du monde et Dieu world, vous connaissait et connaissait you, que vous allez être ici sur la terre. Mais here. Je suis simplement de But parler de ceci. This, ce n'est pas pour mixer cela dans Not une doctrine, doctrine, mais c'est pour mettre cela, redresser cela, et que cela puisse that. Ressortir, so afin out, que nous might, puissions avoir we might get away,
Comment? We might get Écoutez away, ça. And I listen. Enlever la peur. Get away from this fear. Hein? Écoutez, t'es mec à foule. Je veux terminer à ce point. And I'll finish at this point. Et j'aimerais clôturer à ce point. And I would like to close at one. Regardez ce que dit. Je ne veux pas que ceci soit mixé comme une doctrine, mais je veux que ce soit bien redressé pour que ça nous fasse enlever ni la peur, ni coûte teme kafula, or the scaring. What does that mean? Frère Branham dit. Brother Branham quand j'enseigne l'adoption, when I'm teaching adoption, c'est pour enlever dans les gens people, la peur d'être perdu. The fear of being lost. The person who reaches at this level. In all the fields. And maybe I'm not an elect. Maybe we will finish in there. Deux. And two. Nikusema. Who means. Ataba nasema ni jabulu wa mwini mula. Even if they say the devil to himself. He comes and look at you. You cannot be scared. Or afraid of you. It's not going to overcome you. À ce point, and at this point, même si c'est Dieu lui-même, je décale l'épée. And I take off the sword. Mukuna dimifikisha mu point ya kusema. When I reach at a point, boka yoyote, ikuyo ya kupotea, ikuyo ya sema ni inyi balojima de kabe kata kufanya kakintu we mu maisha yako. Kama kuna tafuta kushirika, kama ndio kuna kuya bakuya ba mingi. Let them come alive. Bana kushukuru kuya hii. Bana choka huko kunaanza maono. Wewe lala mushindishi. Weka tonu ku. Utalamuka pala huko utaona hapa atakufanya kitu. Pour les troubler davantage. Bana kuya, bana kushukuru ki. Jitandika tu hivi. And just lay down there. D'ailleurs bon. Mais c'est peut-être on a confondu c'est maintenant. Non, c'est ça ça. On n'a pas l'agrément. Gou gou gou. On a malise vous. Bah on a tout là moi. Moi moi. A woman batamu. Le diable c'est une petite histoire que nous ne pouvons pas craindre. Si j'ai la reconnaissance que j'étais dans la pensée finie de Dieu, je suis venu dans le monde prédestiné déjà à être un fils d'adoption. Je suis venu avec tous les matériels capables de tout vaincre. Ni le péché, je ne peux pas me perdre. La tribu amour est mon sauveur. Il me cherchera. Un jour, j'étais dans un village. Des frères m'ont dit, frère, tu peux faire un mal. Nous allons au ciel tirer ça. Vous m'attendrez. Oui, bon. Tel que même, il a dit, c'est moi. Je suis là. 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 Je suis Frère, comment tu dis ça? Oh, moi, je sais que le ciel est pour I moi. Know that heaven is for me. Où tu vas faire un mal oh, et tu trouves les gens là. Ils vont go, go. Non, non, nous, nous ne croyons pas Dieu par des peurs d'être perdu. Non, nous, nous le croyons par la we conviction que nous sommes sauvés. Nous avons un poids en nous qui nous dit que tu viens connecté à le grand patrie. Et Abbey. À moi, me, je découvre la partie de Dieu dans ma vie. Je ne me perdrai jamais. Si je me perds, Dieu aussi s'est perdu. Et si le Dieu se perd, lost, il m'a aussi perdu. Also et en d'autres termes, words, je ne suis rien sans Dieu et God, je ne peux rien sans Dieu. Do c'est ici un problème qui ne sera jamais une doctrine, mais doctrine, quelque chose qui t'enlèvera et la you, peur et la chose qui te fait trembler. Dieu n'a pas qu'il faut zakuya. Mon Dieu, mais y a comment go? Minaza tafut kufwa. Kufa kama ni kufa. Just die. Huu ni Mungu anipatia kukenza. Hatutaomba kenza. God is not giving you another 15 years. Ukwako tufie menambo bubai. Hapa penyo hapo ukingari kuna atmosphere ya kio. Tusema Mungu merci umubebe ende. Thank you, just take him. Ni pastor anakataa kuniombe. Mimi naomba uende bien. I'm praying for you to go well. Ça ne sera pas une doctrine, mais quelque chose qui enlève la peur. Il y a une peur dans les gens. Et ils tremblent. Oh, pasteur, on a vu un serpent. On a vu Satan. Et je connais tout.
Tous ceux qui ont vu, je les ai toujours donné la même réponse. Oh, on a dit, il faut les combattre. On cherche une grande personne. Mais moi, je connais tout. And I know all. Mais nikisema, but if you just say, hakuna mukinyo ya Satan itabamba muntu hapo. Nothing that the Satan is going to take from these people, nothing will happen. C'est comme ça. Just like that. Le problème, the problem, tu dois te découvrir you dans quelle position tu dois être sécurisé. Tu dois être protégé you quelque part. Toi, tu es en dehors. And you're outside. Mikazi yako. That's your own fault. Bale Mungu ananipachia. And those that God has given me. Mimi kunatafuta nibafinike mtu fulani. You want, kile na mimi bafinikia huyo. Taking them into something and wewe unakatala. Unaona wewe unafanya plan na unafanya bujanja. Kazi yako. Na kama unapatikana kule, shida utapiga tu Mungu tu asakijila. I would just say God, thank you. Tu ya donate ya repri. You gave and you took. Comme des job. Just like job. Mais ici, je prêche pour que tu comprennes le so lieu de ta sécurité. Et dans ces lieux, place, les serpents anciens, the les combats du diable. Écoutez bien, devil, je vais introduire ça dimanche si tout va bien. La forme de Satan, form of Satan comme un serpent, as a serpent s'est changé dans un lion, is changed in a lion et dans une guerre maintenant. And in war right now. Je vous dis, va. I'm telling you, et dans une guerre is in war right now. Ne faut pas faire comme des Tanzaniens. Do not do like Tanzanians. Le diable est dans les combats. The devil is in the battle. Si on ne fait pas attention, if we do not pay attention, les grands combats viennent nous ravir. Même ils pensaient que c'était des prophéties. They thought were just prophecies. Et tu dis, nous n'a rien. Or were you crying? Mimba mimba. Si alcoon a piqué na yento tamatama mukanis, mupika tamatam. You just playing drums in the church. Why are you crying? Quand Barco n'a moyen d'avertir son roi d'avoir sa mise. When he was warning you, he thought he was a joke. Satan. And Satan. Ni ujaha. And you're here. Ni ujiraji katenda. And the one in somewhere there. Badizambi mumpesha kwa kuba mwana. Those that God has given me, you now. Mumpesha mwabwa kuba sokoma. He's given me a place to hide them. Chena ni bwa. I'm not afraid. Chena nganga to. And I'm not scared. C'est là où je vous amène. And that's where I'm taking you. Nous sommes venus dans ce monde avec tous les nécessaires. Dieu connaissait tous les troubles que le diable et l'antichrist vont amener dans ce monde. Mais à nous, il a associé une partie victoire qui vaincra Satan dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel lieu et n'importe comment. Cette fois-ci, cette guerre vient pour que nous montrions qui nous sommes, pas la peur et des tremblements. Nous sommes bien. Tu sais bien, quand nous sommes bien, nous sommes bien. Et quand vous riez, il n'y a plus d'onction. Il n'y a pas de bâle de bâle. Bien ça, mon tout va bien. Je suis un peu plus de bâle. Bwawa bwachi kulukuku, buchidu muwewu. Wow. C'est très grave. Ici, nous ne pouvons pas. Dieu veut que nous puissions être loin de cette peur. God wants us to get away from this fear. Nous n'avons pas connu, vous n'avez pas connu qui vous êtes. You don't know who you are. C'est là vous avez peur. That's why you're afraid and scared. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance de qui vous êtes. You do not have the knowledge. Et Frère Branham dit, Branham says, nous n'allons pas l'être. We're not going to ce n'est pas be. Quelque chose que vous serez. It's vous l'êtes déjà. Be, parce que la chose are, était dès avant la fondation du monde. Was the ce n'est pas que vous l'êtes. Serez. Vous l'êtes déjà là où vous êtes. Where you are. Il dit, says, mais but, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, est-ce que vous voyez? Nous le sommes toujours. Nous avons toujours été les enfants de Dieu tout ce temps. Nous nous craindrons.
And we're not going to feel nothing. C'est là où nous disons, écoutez l'adoption. And listen to the adoption. Première partie. First part. Le paragraphe 107. Paragraph 107. Avant d'aller à la prière maintenant. Before going to prayer. Mercredi, j'étais avec les jeunes. C'est là où nous avons prié. Nous prions sur cela aujourd'hui. On va clôturer un peu aussi dimanche. Voir si la chaîne de prière continuera ou pas. Nous prêchons ceci et nous introduisons une forme de prière. Quand les magiciens et les autres ont raté, l'esprit des attributs dans Daniel et ses compagnons, ils ont recouru à la prière. Là où il y avait déjà un plan pour les tuer, Dieu a détourné ce plan-là. Daniel n'a pas eu peur. Au contraire, il est allé, s'est présenté devant même les rois qui avaient arrêté qu'on les tue ou là. Il a demandé, donnez-moi un temps. Quand il est retourné, une communion entre la tribu qui était en lui et Dieu a révélé et les songes et l'explication. Ils ont eu la victoire. Quand il s'est rendu compte qu'il reste 2 ans pour que la captivité de son peuple termine, il a recouru à la prière. 21 jours. Faites attention. 21 jours. Dieu a relâché le ciel. L'ange Gabriel est venu. C'est là où depuis un certain temps, il y a certaines grandes personnes et peut-être d'autres enfants ici, ne laissez rien de mal en toi. Tous les problèmes de la vie, même la captivité, ça peut venir vers nous. To us. Mais ne laissez pas 21 jours. Do not leave 21 days. Tu es toujours là. To always be there. Il t'accueillera dans l'arche. And it will come in you. Ça te créera des difficultés. And that will create hardships. Il était en prière. And he was in prayer. Le ciel a relâché. And heaven released. Un surnaturel dans 21 and jours. In 21 et l'ange est venu. And the angel il lui a ouvert l'intelligence. And opened the knowledge. Il lui a révélé les secrets. And revealed mais the écoutez secret, la suite. But now listen même to the le parcours de tous leurs futurs était révélé. Was revealed. Que Dieu fasse quelque and chose God comme do ça. Like that. Tu te caches dans des choses, things, ce sont des problèmes qui t'arrivent. Mais si tu te caches avec eux, them, l'esprit, and the spirit, ta pensée, and your thought, même ton âme, and even your comprendra soul, que tu as reçu, received, tu as accepté, accepted, et la chose entrera en toi. You, après que c'est devenu en toi, ça you, ne sera plus un problème. Problem. Chaque problème qui vient, problem les gens qui comes, ont l'intelligence et qui ont l'esprit cherchent solution au problème. Mais si vous gardez ça, ça deviendra une difficulté en vous. Dieu a dessiné tout un avenir. Dieu est capable de dessiner l'avenir. De ce moment, prenons un temps de prière. Consacrons-nous à Dieu. Dieu veut ouvrir quelque chose pour nous. Un autre futur vient pour nous. Je vous informe, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. C'est là où nous sommes en train. Il y a encore de l'espoir pour ton avenir. À ce point, je voudrais que les choses soient connues comme cela. Remarquez. Je vais sauter un peu la lecture ici. Avant la fondation du monde, before the foundation of the world, il y a 3 niveaux. There are 3 levels. Dans la pensée infinie de in Dieu. The infinite thought of God, il y a la prescience. There's a prescience. La prescience, the prescience est connectée à l'attribut de l'amour de Dieu pour la grâce. The divine love for the grace. Là, à ce niveau-là, le niveau de la prescience, the level of the prescience, qu'est-ce que Dieu fait? What is God doing? Il nous avait vus and he saw et connaissait que and knows that, lui étant un sauveur and him being a savior, qui existe par lui-même, existed by himself, ça c'est là que veut dire Elohim. That means Elohim. Il n'y avait ni ange, ni rien. Il était Dieu. Elle est la Elohim. El Elohim. Le seul qui existe par lui-même. Il n'y avait rien que lui-même. Mais regardez, en lui, and in him, il était un sauveur. He was a savior. Voilà les grands attributs dont nous and parlons. I see the great attributes cet attribut sauveur, cet attribut de l'amour de Dieu, avant la fondation du monde, s'est connecté à la phase de la prescience. Avant la fondation du monde. Et dès avant la fondation du monde, il avait en lui ces grands attributs sauveurs. Et qu'est-ce que cela va être bien? Ça, il va
nous sauver, and that is going to save us, pour que rien ne and so that nothing was lost. Quelle assurance. And what assurance. Quand tu viens, and when tu es un attribut connecté à cela, tu ne peux pas te perdre. You cannot be lost. Tu ne peux même pas avoir la you peur even have the que fear tu peux te perdre. Of you being lost. Ça n'existe pas. And you're not. L'adoption, the adoption vient nous donner ça. Comes to give us that. Non, bien sûr que peut-être. Or maybe I might be lost. Écoutez, je vous dis la vérité. And listen, I'm telling you the truth. Tel que vous me voyez ici, and just like the way je you ne see fais me, aucun effort I do not pour ne pas être perdu. For not being lost. Je ne fais pas cet effort. I don't use any effort on that. Parce que ça, and because ça devait être un produit de sa grâce dans ma vie. A product of his love, grace. C'est pas ce que j'ai fait. And now what nous I'm sommes doing. Sauvés par sa we grâce. Are saved by his grace. Comment moi j'ai fait comme ça? And moi j'ai fait comme ça. J'aimerais non, non, nous autres ici, nous sommes sauvés par sa grâce. Je ne fais pas mes efforts. And humain, I'm not using ni pour être sauvé, ni pour maintenir ce salut. Non, c'est un produit product d'être connecté of being connected à l'attribut sauveur to the attribute saving dans le plan ou la phase de in la présence the plan de Dieu. The presence la deuxième chose, and now the second thing, c'est l'élection. It's the election. Regardez ici. And now look here. Il dit maintenant. But now, alors. And now, il connaissait que ces grands attributs qui étaient en lui va projeter quelque chose au-delà qui va avoir besoin d'être sauvé. L'attribut amour de Dieu a projeté notre corps physique de l'autre côté du monde on the side pour être né dans le péché. Il sin. Savait que nous aurons and ce corps et ce corps aura besoin d'être sauvé. Ça, c'est dans le plan de préscience avant la fondation du monde. Et il a déjà prévu pour que rien so ne puisse se perdre. Tous vos efforts and pour ne pas être perdu, c'est un fait qui montre très bien que vous l'êtes. Celui qui est sauvé and the one who is saved ne fait pas d'effort will not use any effort pour être sauvé. For him to be saved. Mais il y a quelque chose but there's something dans l'attribut de son amour love et du salut and of salvation qui l'a sauvé. That will save him. Et il s'est contente de ce and salut. He's happy with that salvation. Dieu connaissait que de l'autre côté de l'éternité, nous aurons un corps né dans les péchés qui aura besoin d'être sauvé. Et Branham continue. Et il fit cela par la prescience. Il a regardé ici-bas et il savait que chacun qui va accepter cela, c'est qui. Il savait que moi j'accepterais et je l'ai déjà accepté. And I already accepted that. C'est une œuvre finie. It's a work that is finished par Jésus-Christ. By Jesus Christ. Ce ne sont pas mes efforts. And these are not my efforts. Mais là, écoutez comment Branham finit. And now listen how Branham finished. Il dit maintenant. And he said now. Il savait, il avait dit. And alors, he said, par faire cela. That by that. Il savait by doing that, de sauver cela he said to save et la seule façon ou le seul way, moyen de faire cela qu'il devait venir lui-même to come down descendre lui-même and be, and et devait être fait chair pour prendre le péché de l'homme sur lui et mourir pour lui. Voilà comment il l'a accompli. C'est quoi ce que Jésus a déjà fait pour notre salut? Il dit maintenant, il était le seul qui puisse être adoré. Parce qu'il est Dieu et il est l'objet d'adoration. Et alors, après cela, il vint descendant ici bas sur la terre, il a pris sur lui-même. Et pendant qu'il était, qu'il fit cela, et qu'il pouvait sauver cela pour ceux qui voudraient être sauvés. C'est un vouloir. Et il dit, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que par la prescience, Dieu infini avait connu toutes choses. Il a vu l'agneau et il a immolé l'agneau dès avant la fondation du monde. Il a placé votre nom sur l'agneau. Écoutez, dans les livres de vie de l'agneau et il avait vu comment Satan va être celui qui va décevoir. And the deceitfulness of Satan. Ça, nous sommes au niveau de l'élection. We're at the level of the election. Il le savait. And he's saying que il a
Placez votre nom là, so he would put your name in, dans there, les livres de vie de l'agneau. Il savait que Satan va faire quoi? Va décevoir. Et regardez la deuxième partie. Et il avait dit que l'Antichrist va être si religieux, si bon, so good, et si bien. Such a fine fellow. Muntu wa bien sana. A very fine person. Et pourtant c'est l'antichrist. And yet it's an antichrist. Retenez ce deux. And now understand. Dans l'élection, in the election, Dieu a prévu. And God provided. Comment nous allons vaincre? Are we going to la overcome déception du diable? The deceitfulness of the l'antichrist. Devil. And that of the antichrist. C'est ça ce qui va venir. And that's what is going pour to détailler come. Cela en détail. To give il dit remarquez. Ça sera un homme intelligent, un homme religieux, un homme de bien, un homme bon, et si religieux. Et il dit, mais il va décevoir si c'était possible les élus. Mais cela était impossible. Parce que les noms des élus ont été préordonnés avant la fondation du monde. Par l'élection, il nous a choisis. Il nous a aussi prédestinés pour que nous connaissions ce qui va advenir ou arriver. Regardez ce 3. La préscience. Là, c'est connecté à l'attribut. Le grand attribut qu'il nous donne. L'élection, c'est le nom placé sous l'agneau pour vaincre la déception du diable et de l'antichrist. Et la prédestination, c'est que vous êtes condamné à arriver à votre destinée sans que moi moulo, sans que moi tchao, sans que or any kind of person to make you feel rich to that. It's you. Sont vraiment dans la manifestation. These three in the manifestation. Et pour cela, nous n'avons peur de rien. And we not fear anything. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout pour la prière.